Supportrices et supporters des Girondins de Bordeaux, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle libre antenne sur Web Girondins. Content de vous retrouver après une excellente émission la semaine dernière. Je vois que vous êtes déjà sur le chat. Bonsoir à tous, bonsoir à GG, à Gali, à Necro, à Michael, GG, Mister John. Salut à tous. Laissez vos messages et bien sûr, je les relierai à l'antenne. Et vous pourrez aussi participer en fin d'émission à la Libre Antenne. Je lâcherai le lien, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne. Et vous arrivez en live. Merci à tous les sociaux et aux abonnés de Web Girondins qui rendent cette émission possible. Et vous pouvez vous abonner à Web Girondins si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tous les liens en bas dans la description de la vidéo YouTube. Aujourd'hui, une équipe de gens que vous connaissez, bien évidemment. Je ne vais pas le mettre tout de suite parce qu'il est en train de mettre son micro, j'ai l'impression. Mais le retour de Steph D'Agostino. Salut Steph, comment vas-tu? Salut Donatien, salut les suiveurs YouTube et les sociaux. Moi, ça va très bien. Mieux que samedi. Bien sûr, Steph avec un nouveau micro, bravo. Finalement, après nous avoir rejoints puis quittés parfois dans des émissions à cause de ton son dégueulasse, tu es de retour, ça fait plaisir. Bienvenue à toi. D'aller au bout. Ben oui, non, mais là tu es parti. Là, tu es parti pour rester, il n'y a pas de problème. Alors, avec nous, Joris, Pensée Foot, qui est de retour aussi. Ça faisait un petit moment que tu n'étais pas venu. Salut, Joris. Salut, Donatien. Salut à tous les passionnés. Comment ça va? Ben écoute, ça va bien. Petit jour férié pour se reposer tranquillement, donc ça le fait bien. Bon, ben, super. Charles Merle, qui me semble à Charles. Salut, 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 oui, je suis là. Pour moi, on ne te voit plus en vidéo. Tu es en train d'accrocher tes micros à ta belle chemise. Ah, bah écoute, je me reconnecte si vous m'entendez. Eh bien voilà, allez hop, on l'enlève. Charles qui vient d'être papa, on aurait aimé lui souhaiter tant qu'il était là, mais il est déjà parti, le pauvre. Moi, je vous propose de commencer tout de suite, comme d'habitude, avec le match précédent.
le match de Rodez, le fameux match de Rodez où nous n'avons pas réussi à gagner malheureusement. Ah, bah, il est de retour en train de Charles. Charles. Toujours des petits problèmes techniques. Voilà, il est là, Charlie. Ça y est, ça y est. Désolé, non, c'est parce qu'en fait, je mettais le fond de Michel Pavon, mais bon, je me suis dit que j'allais changer, puis le timing, tout ça, le temps. Bref, ça va. Salut tout le monde, salut les sociaux, salut tous les supporters, les passionnés, les vrais et les moins vrais des Girondins. Et salut Steph, salut Joris. Salut. Mais absolument tout. Je rajoute tout le monde. Hein. Ça va d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'au joueur, à l'entraîneur, etc. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi. On parle de même. On parle de la même personne. Alors, Charles, commençons par toi. Ce match samedi contre Rodez, un match dont tu nous avais expliqué la semaine dernière qu'il n'y avait absolument aucun enjeu, d'une certaine façon. Alors, pas pour le score, bien évidemment, mais. Par rapport à ce qui s'était passé, tu l'as vu. Ouais. Et donc, je reste sur ma position. Il n'y avait absolument aucun enjeu. Et on est vraiment des abrutis d'être rentrés dans le jeu de, dans le jeu de Lopez, de Lopez de Rodez, pardon. Lapsus, quelque part, un peu révélateur. Et voilà. Bah, écoute, on a été défaillants mentalement. C'est dommage. On avait fait une super entame de match. Un bon 2-0 qui était mérité, puis on n'a pas su tenir pour des raisons qui sont plus mentales que tactiques et techniques. Voilà, je pense que c'est avant tout une question d'engagement, de mentalité, et ça ne se voit pas que en match, mais on y reviendra sûrement. On fera un petit débrief, je fais un petit tour. Joris. Ouais, pareil, enfin pas... Déçu du résultat une fois de plus, mais ça devient une habitude maintenant sur ces 6 derniers matchs, avec toujours les mêmes lacunes, toujours les mêmes explications. J'ai pas trouvé qu'on soit spécialement meilleur ni moins bon que d'habitude sur les 20 premières minutes, même si on met ces 2 buts. Le penalty nous aide bien, comme l'a dit Charles, ça joue pas mal dans les têtes, donc quand t'as une occasion comme ça, un penalty, ben forcément ça te peut-être la libère un peu plus. Et derrière, voilà, on est toujours on a la possession, le dominateur sans convaincre. Donc voilà, on se fait punir de façon évidente, comme d'habitude. Et on est toujours 15e du classement. Ouais. Toujours que c'est triste. Steph. Ouais, bah pareil. Hein. Ouais, j'ai cru quand même, quand j'ai vu les 20 premières minutes, je me suis dit, ouais, un peu de changement, de l'engagement de Vesbeck, VP devant, les bons déplacements, les bons appels, mais après, on est retombé dans nos travers. 25 passes dans la défense, sortir du match pour aller se battre avec les mecs de Rodez. Voilà quoi. Comment se faire remonter, peut-être perdre. Regardez le match de samedi. Qu'est-ce que vous retenez du match, mais je veux dire, pour en termes d'individualité, vos tops et vos flops, d'une certaine façon, Charles? Tout d'abord, Vipotnik, et merci à tous ceux dans le chat qui me souhaitent, qui me félicitent pour ma nouvelle paternité. Merci à tous, c'est super sympa. Vipotnik, qu'on a attendu pendant longtemps, il fait vraiment un bon match pour un jeune joueur qui découvre la Ligue 2 et un autre championnat que son championnat d'origine, à savoir le Slovène. Donc très content de le voir malgré ça faisait un moment qu'il n'avait pas vraiment joué, qu'il n'avait pas été mis en confiance, et bon, voilà, il a fait son match et même très très bien, donc très content pour lui. Le deuxième point que je retiendrai, c'est la confirmation de Zurico dans une position qui est vraiment de leader en fait technique et dépositaire du jeu sur la partie offensive. C'est lui donner énormément de responsabilités. Qu'il arrive à tenir. Alors effectivement, il fait beaucoup de déchets techniques. Il regarde aussi beaucoup ses pieds. Il rate le troisième but, mais voilà. Il rate. Hein. Oh la vache. Ouais, il rate bien comme il faut. Ouais. Mais bon, si Zurico c'était Zizou, on le serait. Et puis il serait pas chez nous parce qu'on n'est pas en 96. Quoi. Voilà. 96, dont j'ai l'écharpe du Slavia et de Bordeaux que je vais enlever parce que j'ai trop chaud. Voilà. Hop. Ouais. Tac. C'est pas parce qu'il y a les supporters du Slavia devant ta porte. Non, pas du tout. Ah bon, c'est rassurant. Pas du tout. Steph.
Ah, pareil, moi les tops, ouais, VP, Zurico Ah, et l'entrée de Marvin de Lima. J'aime bien, moi, j'aime oui, bien Marvin. J'aime bien Marvin. clairement, ouais. Moi, je suis fan. Depuis l'année dernière, je suis fan de ce gamin, parce que moi, j'ai 42 ans. Donc... Mais ouais, j'adore Marvin de Lima. Par contre, les flops, bah... Vital, Nsimba, Johan Barbet, qui est un Capillairement, autre. quand même, Vital, c'est mieux. Quand même, c'est mieux, je Ouais, trouve. bah ouais. Pardon, ça n'a rien à voir. Mec, il allait faire Contrairement à cette toi. nouvelle pour les keufs. Contrairement à moi, beaucoup de messages hein, pour me dire qu'est-ce qui se passe capillairement. Les gars, je suis passé d'un voilà, d'un René qui demande de l'argent dans la rue à ça, quoi. Voilà, c'est... Désolé. Désolé, pardon. Excuse-moi. Voilà, puis le troisième flop, bah, le rentrant, Jérémy Livolan, qui n'arrive pas à s'imposer, qui est de plus en plus mauvais. Mais... Il est de plus en plus mauvais. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Livolan. Faisons un point à Livolan, mais il est. C'est pas ouf. Hein. Ça devient de plus en plus fantomatique. Hein. Plus il rentre, pire c'est. Je ne sais pas de quoi ça vient. Joris, tu as l'air Ouais, perplexe. Non, Non, tu non, vois non, plus. je suis, non, je suis, bon, je trouve pas moins bon que, je le trouve pas bon depuis le début de la saison. Je sais pas, c'est le profil un peu de ce que j'arrive à en voir. Moi, je connais pas évidemment, mais de ce que j'arrive à savoir de lui un petit peu, c'est un gars qui en veut vraiment. Et je pense c'est le profil type du mec qui se braque quand il n'y arrive pas, quoi. Et là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas du tout. Je sais pas. Et comment Riera va réussir à trouver le déclic, ou c'est peut-être lui qui va réussir à trouver le déclic en marquant un but, en faisant quelque chose, je sais pas. Mais j'ai peur que voilà, ça soit un mec qui se braque quand il n'y arrive pas. Et pour l'instant, ça a tendance à se faire un peu comme ça. Voilà. Un peu à l'image de toute l'équipe, non? Il y a certaines personnes qui se braquent très vite quand elles n'arrivent pas, qui n'arrivent pas à faire un geste technique ou... Je sais Non? pas, je pense qu'il est, il, c'est un bonhomme de caractère et il a l'air très, vraiment très frustré. Je pense que c'est un mec, contrairement à certaines têtes de l'équipe, qui se cache pas sur le terrain, il triche pas, il essaye mais il n'y arrive pas et il se frustre vite. Je sais pas, moi j'aurais envie de le voir. On n'a pas beaucoup de solutions en attaque. J'aurais envie de le voir. Peut-être à côté d'un Vipotnik dans un 4-4-2 par exemple, histoire qu'il peut-être il marque un petit but, que ça lui redonne confiance, ou le voir dans un autre schéma où il a déjà évolué en tant qu'attaquant, où ça lui avait plutôt bien réussi, même si c'était pas son poste de prédilection. Voilà, essayer de déclencher un truc pour que ça bouge, parce que voilà, on sait que ça peut être un bon joueur et que là, il n'est pas du tout au rendement auquel on l'attendait suite au mercato de cet été. Ouais. Nicolas nous dit si Livolan n'y arrive pas, c'est sûrement dû au plan de l'équipe, un problème de collectif. Ah, des Je sais fois, il pas. s'en mêle les pinceaux tout seul, quand même. Hein. Ah, il est... Sur ses dribbles, sur ses percées, les appels sont pas dans le bon tempo. Alors, l'équipe l'aide certainement pas. Voilà, après, c'est toujours pareil. Hein. C'est un cercle vicieux. Tu fais l'appel, t'es pas servi. Derrière, il y avait l'opportunité de faire un bon appel, tu le fais pas et le gars te donne le ballon dans le mauvais tempo. Enfin, voilà, c'est un tout, mais même individuellement, intrinsèquement, je trouve que pour l'instant, il n'y est pas encore. Je suis pas en désaccord avec ça globalement, mais bon, ça n'empêche pas le joueur quand même de faire des passes justes, de faire des contrôles justes. Ça l'empêche pas d'être. C'est pas ça qui fait qu'il est systématiquement à contre-courant, qu'il a un tempo en décalage de ses coéquipiers à côté. Mais après, comme tu dis, c'est sûrement dû au mental. Mais alors si quand tu es joueur pro, que tu as été capitaine, que tu as, je sais pas, quel âge il a, 25 à peu près, quand tu as cet âge-là, donc tu as quand même, bon, ça fait quand même 7-8 ans qu'il doit être pro, bon, si tu n'arrives pas tout seul à te mettre dans le tempo, de te mettre dans la mentalité qu'il faut pour apporter un match pro et puis en Ligue 2, quoi, bon, bah, y a un souci qui est plus grand que simplement le fait qu'il n'est pas en confiance actuellement, quoi. Tu vois, Elis, il est pas en confiance. On peut penser tout le mal de ce joueur-là, techniquement, pas humainement, bien sûr. Bon, ben, quand il rentre, il se donne à fond. Oui, il rate, mais il se défonce comme un âne. Et résultat, en 3 matchs, c'est le meilleur buteur. Alors, c'est une catastrophe et ça en dit long sur le reste du niveau de l'équipe. Mais bon, C'est le pour moi, c'est pas co-meilleur une excuse buteur. suffisante. Le co-meilleur buteur.
Mais avec Barbet et Lee Volland avec qui Stan donc ont Barbet. marqué Weisbeck pardon et Barbet qui ont marqué samedi. Mais donc voilà, c'est quand même, c'est bon, c'est pas suffisant comme excuse. Lee Volland, je veux bien qu'on lui trouve toutes les excuses qu'on, et ça a l'air d'être un brave type. Mais bon, on a eu beaucoup des braves types à Bordeaux. Hein. Si on pouvait avoir des bons joueurs, ce serait encore mieux. Quoi. Même les choses les plus simples, il réussit plus. Quoi. Ouais, puis il est pas là depuis 3 ans à galérer, quoi. Tu vois, il a pas vécu la descente en Ligue 1, la chute, les Américains, machin, etc. Ça fait 3 mois qu'il est là. Mais oui. Ouais, non, mais je lui cherche pas des excuses, mais contrairement à d'autres, je pense que c'est un mec qui peut, il peut y avoir un déclencheur qui fait que sa saison bascule. Il y en a d'autres, je les vois pas basculer de la saison. Qui sont ces autres personnes? Qui sont ces autres personnes? Ben oui. Donnez des noms. Kasubi, ah, okay. J'étais très, très optimiste vu sa préparation. Et du coup, pour revenir au top flop, moi, c'est mon flop du match face à Rodez. Ouais. Transparent, et le seul moment où on l'a vu, c'est quand il fait cette passe en retrait, là. Enfin, quand il se fait prendre, là, qu'il tarde un peu à donner son ballon. Bon, c'est pas anecdotique, mais tout le reste, pendant 90 minutes, il est transparent. Voilà, il y aurait que ça encore. Voilà. Mais tout le reste du temps, il est transparent et je suis très, très déçu. C'est pas un joueur que je voyais titulaire forcément en début de saison. C'était pas pour moi le remplaçant d'Ignatenko ou la doublure d'Ignatenko. Enfin, si, peut-être la doublure d'Ignatenko à la rigueur, mais voilà, c'est pas un mec que j'attendais titulaire. Sa préparation, je l'ai trouvé très encourageante et ça m'a laissé penser que finalement, il pouvait peut-être prétendre à une place de titulaire. Et finalement, depuis le début de la saison, c'est quand même très compliqué, c'est très inégal. Alors voilà, il a du temps de jeu un peu, c'est en dents de scie, mais je suis assez déçu de ce joueur. Voilà, c'est un flop par rapport à mes attentes au final. Voilà. J'attendais plus de ce gamin-là, et je suis assez déçu de son match. Ouais. Et j'ai pas le sentiment que ça sera mieux d'ici la fin de la saison, comme Sissoko, c'est pareil, par rapport aux attentes que j'avais sur lui. Il n'y est pas non plus pour l'instant, et je suis pas convaincu. Par rapport à ce qu'il nous avait montré, ouais, bien sûr, il y a du potentiel, mais bien sûr, ça se transforme pas dans le jeu malheureusement. Non, non, on était le pro, enfin, on était tous là à attendre en se disant, ouais, s'il n'était pas blessé, qu'est-ce que ce serait? A priori, il n'est pas blessé, et pour l'instant, c'est pas grand-chose, quoi. Il y a que Diaz qui éclabousse un peu au milieu de terrain, ouais. et tu payes la comparaison, hein, quand t'es Kasubi et Sissoko à côté de Diaz, tu voilà, t'es en dessous, hein. C'est Kyle qui nous dit les volants, c'est le joueur le plus régulier dans la médiocrité. C'est un peu ouais. Dur, mais c'est pas faux. Mais c'est un peu vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Johan nous demande Johnson, vous en pensez quoi? Donc, on a changé de gardien à mon plus grand regret. Et au mien. Je trouve que c'est dommage d'avoir cassé comme ça Rafale, même s'il avait fait des erreurs. Je trouve que c'est pas très bon dans une cohésion d'équipe de changer de gardien, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé de notre ami Johnson? Bah, Johnson, c'est un gardien expérimenté, ouais, c'est un gardien expérimenté, mais bon, expérimenté. Sur les bancs, tu veux dire? Il est très bon sur les bancs, quoi. Depuis qu'il est parti de Ligue 1, ouais. Il n'a pas énormément joué. Depuis qu'il est parti de Ligue 1, ouais, il n'a pas beaucoup joué. Non, mais c'est surtout ces 2 dernières années où il a tapé 9 matchs, je crois, en titulaire. Bon, malgré ça, bon, bah, qu'est-ce que tu veux en dire? On l'a vu juste sur ce match-là, il n'a rien eu à faire. Au ouais. pied, il a eu peut-être 2 ballons où il était sous pression et encore pas beaucoup. Il a touché malgré tout quand même beaucoup de ballons. Il a touché 10 ballons de plus que Strafcheck contre Angers. Donc on a beaucoup parlé la semaine dernière. Il a fait zéro arrêt. Il a raté ses deux frappes. La première qui est bien placée, petit filet, qui était, bon, il m'attendait un plongeon un peu meilleur, mais très difficile à arrêter. Je veux dire, il fallait vraiment être un top gardien ou dans un moment de furie pour arrêter ça. Et le deuxième, bon, bah, il rate sur un contre un. Voilà. Bon. Voilà, donc c'est très difficile de juger parce qu'il n'a pas du tout eu les mêmes situations de jeu que Strauchek, qui est plus est sur un seul match. C'est très compliqué à juger. Voilà, je pense que son expérience, c'est ça qui a plu, je pense, davantage à Riera. Peut-être qu'il est un petit peu meilleur aussi au pied, c'est une certitude. Malgré tout, on n'a pas joué avec
On n'a pas joué avec le gardien contre Rodez qu'on a fait contre Angers et contre les 11 autres journées. Voilà, j'attends beaucoup de voir. Je suis très déçu quand même parce que Strachek nous a montré durant la journée qu'il était extrêmement bon en 1 contre 1. Il nous a même permis, on parle de ses erreurs qui nous ont coûté comptablement un seul point d'ailleurs. Je pense qu'il nous a rapporté beaucoup plus en fait dans les arrêts qu'il a fait. Et j'ai un peu peur que d'ici la fin de la saison, si on continue à avoir Johnson, j'ai un peu peur qu'on ait une défaillance justement sur ces nombreux 1 contre 1 qu'on va avoir, notamment quand la défense est prise dans le dos, surtout sur notre côté gauche. Voilà. À force de me mettre des timers, je vais utiliser tout jusqu'à la dernière seconde. Je sais que c'est un piège. Steph, sur le gardien. Moi, j'ai été déçu. J'aurais préféré garder Strasek. Même si, pour le remettre en confiance, normalement, ça aurait pu être un match pour le remettre en confiance. Après, ouais, c'est sûr, on ne lui a pas donné les mêmes passes à Johnson qu'on a donné à Strasek. Hein. Clairement, on ne l'a pas mis trop en danger sur les passes en retrait. Je pense que le 1 contre 1, par contre, Strasek l'aurait pris. Quoi. Le deuxième but, pas sûr qu'il le prenne. Voilà. Ouais. Après, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Hein. Johnson, franchement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Mais je préfère Strasek. Il y a un message de Tom qui nous dit Johnson va amener la communication qu'il manquait à Strasek, trop timoré. Moi, personnellement, vos histoires de communication, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, moi non plus. Je ne crois pas que Johnson, même s'il communiquait bien avec ses défenseurs, aurait empêché Barbet de tacler Écommier en pleine surface. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis un peu méchant. On sait que c'est un point important, malgré tout, du gardien. Alors, je fais l'avocat du diable, hein, parce que j'aurais préféré mille fois que Strasek soit laissé dans le bain. Mais malgré tout, c'est un aspect qui est hyper important. Et il faut voir les défauts des uns et des autres. Et Strasek, même si je l'adore, force est de constater que il parle pas ou pas beaucoup, ou en tout cas, il n'est pas écouté, ce qui est peut-être un autre problème. Et c'est peut-être d'ailleurs le problème principal. Et voilà. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de communication, mais plutôt un problème d'écoute. Quoi. Je crois pas. Je salue Aruna, le spécialiste du rectangle vert. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas passé dans la libre antenne. Aruna, c'est quand tu veux, si tu veux nous rejoindre dans la libre antenne, tu me fais un petit signe et rejoins-nous cette semaine ou la semaine prochaine, peu importe. Tu nous manques énormément. Voilà. Sur Johnson, Joris. Ouais, moi, j'étais pour le coup content que Johnson soit titulaire sur ce match. Pas forcément par opposition à Strasek, parce qu'effectivement, on a tendance à oublier qu'en début de saison, on était tous là à se dire c'est bon, c'est le gardien qu'il nous faut. Enfin, voilà, si on se rappelle un peu le début de saison, les joueurs qu'on plébiscitait souvent, c'était Strasek et Michelin. Donc, j'oublie pas ça et je suis complètement d'accord avec Charles sur le fait que, effectivement, il nous a coûté des points, mais il nous en a aussi rapporté. Et bon, quand t'es gardien, on a souvent tendance à vite l'oublier. Mais vraiment, sur la fin de son dernier match, Strasek, j'ai senti la défense centrale ils étaient peu enclins à lui donner le ballon. Il y avait vraiment une sorte de méfiance et un truc un peu vicieux qui s'était installé. C'était peut-être à l'échelle du match, ça aurait peut-être pas duré. Mais dans un match où le contexte était un peu particulier, en plus face à Rodez, où bon, Riera avait beau le répéter, l'important c'était les 3 points et peu importe le contexte, etc. Ben, t'as senti quand même qu'il y avait une certaine nervosité. Il y avait le public qui poussait derrière. Voilà, c'était pas un match comme les autres. Je sais pas si c'était lui rendre service de le mettre titulaire sur ce match-là. Moi, voilà, Johnson, je peux l'évaluer pareil que sur le match qu'il a fait. Bon. Je l'ai trouvé plus. Ouais, tu sens que c'est un gardien expérimenté, hein, qui il a pas hésité tout de suite à diriger sa défense. Il a pas fait le timide, il était dedans. De ce côté-là, il n'y avait pas de souci. Après, sur ses compétences de gardien, voilà, relance au pied longue, ça avait l'air assez précis, c'était bien. Après, j'ai l'impression que c'est moins un chat que Strasek, quoi, sur sa ligne, et peut-être moins. Voilà, ils ont pas le même âge non plus. Donc à voir, je serais curieux de voir le choix de Riera sur le prochain match face à Bastia, franchement. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce que l'on penserait s'il changeait encore de gardien ? Et pensez-vous qu'on reverra Strasek d'ici quelques matchs ou pas ?
Le poste de gardien, Ou actuellement, autrement je dit, le... est-ce qu'un poste de gardien, ça change toutes les 5 minutes? À la différence des autres postes, alors on parle beaucoup du mental de l'équipe, en fait, des 10 joueurs de champ. Le gardien, c'est fois 1000, quoi. C'est-à-dire, tu as une différence de perf qui est absolument hallucinante, si ton gardien il est en confiance ou pas, quoi. Donc il faut qu'il soit en confiance, mais à fond, à fond, à fond. Et la grosse bêtise qu'on a fait avec Strauchek, c'est qu'on l'a mis en confiance à la mi-temps. À la mi-temps. Pardon. On l'a déstabilisé durant le mercato en expliquant qu'il n'était pas sûr d'être numéro 1, etc. On l'a mis en concurrence. Malgré ça, il a tenu sa place de numéro 1 et il a bien fait, malgré les quelques erreurs qu'on peut lui reprocher et qui visiblement lui ont coûté sa place. Contrairement d'ailleurs à ce qu'a pu dire Riera en conférence de presse, hein, qui avait annoncé que une erreur technique individuelle ne faisait pas en sorte qu'un joueur sortait du 11. C'est exactement ce qui s'est Ça, passé c'est un trois peu jours après. étrange comme tu dis quelque chose, tu fais le contraire. Enfin bon, valait mieux rien dire. Bon, ouais, à ce moment-là, il valait vraiment mieux rien dire, quoi. Valait vraiment mieux rien Surtout dire. quand, surtout que, bon, voilà, devant, tu, bon, il a changé un certain nombre de choses aussi devant, donc c'est bon. Ça s'équilibre. Mais du coup, pour répondre à ta question, non, tu peux pas. Si tu as mis Johnson, tu l'as validé en numéro 1. Tu t'amuses pas à changer un match sur deux. Tu vois, tu fais pas comme Paris il y a quelques années. Non, non, c'est ridicule. On ne fait pas ça. Aucun club sérieux ne fait ça. Aucun club tout court, d'ailleurs, fait ça. Donc, non, maintenant, c'est trop tard. Il faut qu'il continue avec Johnson. Et puis, quand Johnson aura fait 3-4 boulettes et qu'on sera relégable, ce que je n'espère pas, bah, il remettra Strachek. Puis voilà. Mais ce serait une connerie, enfin, mais le mal est déjà fait, donc. Relégable, ça nous pend au nez, hein. Ouais, ça se rapproche sévèrement. On joue contre Bastia, qui est juste devant nous d'un petit point. Avançons un petit peu. Donc samedi, on joue contre Bastia. Comment vous sentez le match? On n'aura pas Elis en attaque, donc on a malheureusement, j'allais dire. Pardon, je vais dire quelque chose que. Bon, on a des chances de revoir notre ami Badji en attaque. Du coup, quels sont vos pressentiments sur le match de samedi? Pas sûr, mais bon, on est à l'abri de rien, malheureusement. Après, il faut voir, puisque si on lit l'article sur le Girondin, il a pris un groupe élargi pour l'entraînement de 25 joueurs. Peut-être que Tébili va intégrer. Tbilili. On avait carrément oublié qu'il existait, Tbilili. Ah non, mais pourquoi pas? Très bonne prépa, Pourquoi Tébili. pas? Enfin, bonne prépa pour ses Ou rentrées en club. essayer de mettre Jérémy Livolon en attaque avec VP? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc tout sauf Badji, quoi. Bah, il sort bien Strasek des buts, pourquoi il sortirait pas Badji de l'attaque? Bah, il a fait déjà. Oh, et puis après, Elis, il était dans le groupe face à Rodez, donc ne serait-ce que numériquement, Tebili pourrait prendre la place de Elis tout simplement. Après, oui, si Badji revient, effectivement, il prend la place d'un autre joueur. Moi, ça me plairait bien aussi que Tebili intègre un peu, parce que là, au final, on se laisse pas la possibilité de jouer avec deux attaquants. Moi, je reviens sur cette idée-là. C'est que ben, on a Vipotnik, Badji, et Elis qui est un attaquant, mais qui joue ailier droit. Livoulan qui peut jouer attaquant mais qui est aligné gauche, et au final forcément quand tu te retrouves et que t'as deux vrais attaquants, ben tu joues pas avec deux attaquants devant, puisque après quand tu dois faire un changement tu peux plus, t'as plus personne sur le banc depuis le début de la saison avec les groupes qui ont été faits par Guillon et par Riera. Donc tu t'enlèves une possibilité, tu t'enlèves ce système tactique là. Voilà, avec Riera qui disait qu'il est possible, qu'il est capable d'évoluer ou de faire évoluer son équipe dans différents systèmes tactiques. Bah à Bordeaux, quand tu vois le groupe déjà la veille du match ou quoi, tu sais déjà si Bordeaux va évoluer avec un attaquant ou deux, rien qu'en regardant le groupe. Donc c'est se priver d'un choix tactique en ne prenant pas un attaquant en plus, je trouve. Westbeck avait un rôle quand même très très offensif et était un petit peu en dessous de VP. Dans ce rôle-là, en fait, qu'on peut attendre de second attaquant, de ce qu'on voit de Riera, et bon, il préfère quand même les joueurs qui savent un petit peu jouer au ballon. Ça m'étonnerait pas vraiment qu'on ait, comme tu dis, Livolan, Westbeck, Vipotnik et pourquoi pas Tebili qui viennent challenger ces quatre places en fait, quoi. Avec Vipotnik, je pense, en neuf, vraiment
costaud et aguerri dans le système de Riera, enfin aguerri aux yeux de Riera en tout cas. Et voilà, mais je pense pas, je sais pas, je vois mal Badji reprendre comme ça une place, alors peut-être rentrer à la fin, mais je pense que c'est la seule chose qui peut gratter, quoi, vraiment. Ok. C'est tout ? Après, j'aime bien Zurico, hein, derrière Vipi. Pourquoi pas, il serait pas deuxième attaquant aussi, Zurico ? Parce que je pense qu'il a un rôle dans la construction qui est trop important au jeu de Riera. Ou alors, ça veut dire qu'il arrête avec ses histoires de mettre Diaz sur un côté, ce qui, à mon avis, il ne reproduira plus. Et à ce moment-là, il met Diaz à la place de Zurico, en fait, dans son rôle vis-à-vis de la construction. Et Zurico passe plus haut, quoi. C'est clair. Et Zurico a la faculté de passer aussi sur un côté. Je veux dire, tu mets Zurico à la place de Livolan, c'est au-delà du jour et la nuit, quoi. Tu vois, là, tu changes de système, quoi. Moi, j'aime bien dans l'axe quand même. Zurico, j'aime bien dans l'axe. Je pense qu'il a pris la place et que Riera ne le bougera pas. Hein. Mm. Ça fait deux matchs qu'il le confirme. Oui. C'est la seule valeur sûre de ces deux matchs à Riera. Puis pourquoi pas Marvin Golima, quoi, côté gauche. C'est clair. À un moment donné. Ça serait bien. VP, il a quand même pas. C'est tellement évident en plus. VP, en plus, il n'y a pas un jeu de tête dégueulasse avec des bons centres qu'il fait. Franchement, ça se tente. Surtout qu'on a besoin de centre à gauche parce qu'Nsimba ne centre plus. Nsimba ne monte pas, en tout cas dans le même système. Bah, il ne monte plus aussi, peu importe. Mais en tout cas, c'est bon, voilà, là on l'a vu contre Rodez. On est vraiment sur un système, lorsqu'on a de la possession, où c'est que Michelin qui monte. On n'a pas un système où tes latéraux montent par intermittence. Tu n'en as pas un en soutien et un en position d'attaque. Quoi. Là, non, c'est Nsimba qui reste en bas. Il reste en bas, il ne bouge pas. Quoi. Donc, tu n'as plus de centre. Quoi. Et Diaz... Diaz, ils ne centraient pas, quoi. Très peu. Donc, de Lima, ça me paraît assez évident pour apporter une palette qui soit plus intéressante. Et de Lima, c'est notre seul joueur qui est capable techniquement d'effacer à peu près n'importe qui. Personne n'est capable de faire ça. Après, le seul qui arrive à dribbler, ça va être Zurico, qui en réussit peut-être 1 sur 2. Quoi. De Lima, je ne sais pas, je n'ai pas vu ses stats, mais à chaque fois que je le vois en train de provoquer un débordement, il y arrive. Mais oui. Il n'y a pas un joueur qui a réussi à l'arrêter, quoi. Non, et puis derrière, il lâche son ballon dans le monte tempo, excuse-moi, 30 secondes, dans le monte tempo, contrairement à Zurico, qui déjà est moyennement réussite sur ses dribbles. Alors, on est tous contents d'avoir un joueur de percussion comme Zurico qui va tenter un truc et qui va essayer d'éclairer le jeu. Mais derrière, il fait souvent le dribble de trop, quoi. C'est là où il va s'empaler sur son vis-à-vis, alors qu'il y avait une possibilité de passe. De Lima la lâche beaucoup plus vite. Ouais, Yohan a raison, hein. Il y a un joueur dont on ne parle pas, c'est notre ami Pitou. Hein. Pitou. Avant ce match-là, c'était lui qui nous avait dynamité, je ne sais plus contre quand, parce que ça remonte vraiment à loin. Mais le dernier but qu'on a marqué, c'était grâce à lui. Quoi. Il était rentré. Il n'était même pas sur la feuille de match, hein, ce week-end. Non, même, ça fait depuis Riera, il n'est pas sur la feuille de match. Alors après, il avait une blessure au dos, ça remonte à 3 semaines. Quoi. De Amorin, il n'est même pas rentré. Le Dlamant était pas même pas sur la feuille de match. Je crois qu'il était même pas. Non, il était pas sur la feuille de match. Non. Je sais pas si vous l'avez vu vite fait, ma petite bannière que j'ai affichée un petit peu en avance, mais on le sait, on a un déficit en attaque. Et donc, ma question que je vous pose, c'est est-ce que le mercato hivernal peut-il être la clé de notre seconde partie de saison ? Vraisemblablement, on a besoin d'un attaquant au moins en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on est le 1er novembre et que finalement, le mercato, c'est dans un mois et demi déjà. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, il nous faut un attaquant supplémentaire. Si, complètement. Si. Mais c'est déjà mon avis depuis ce mercato-là. Il y a beaucoup de monde qui était satisfait du recrutement de Vipopnik. Pour moi, ça n'a jamais été un titulaire en puissance. On a fait une émission ensemble, Joris, où on était assez d'accord. On n'avait pas encore la certitude même que Ellis allait rester avec nous, parce que si Ellis ne restait pas avec nous, franchement, on serait dans une merde. Enfin, pardon. Je suis trop pro-Ellis. Oui, c'est vrai qu'on avait fait l'émission sur le mercato. Ouais. Et non, Vipotnik, je suis pas convaincu par son profil de titulaire. En tout cas, voilà, pour moi, c'était un jeune prospect qui pouvait monter en puissance avec nous. Mais vu l'âge, vu le fait que ce soit sa première expérience à l'étranger, pour moi, il allait fatalement mettre du temps à s'acclimater.
c'était minimum un coup de 6 mois. Donc, au mieux, moi, il allait commencer à être performant en janvier. Voilà. Et dans le pire des cas, il allait falloir avoir à attendre un an pour voir vraiment ce dont il était capable. Donc, fatalement, quand tu perds un match là, tu vois la quantité de buts qu'il a mis l'année dernière, il fallait un mec qui allait planter du but, et Vipotnik, c'était un gros point d'interrogation. Donc, il nous faut un attaquant, oui, pour cet hiver. Maintenant, mercato hivernal, c'est marché d'opportunité. Les attaquants, voilà, ça veut dire qu'on va pas se taper un attaquant titulaire. Ça va être un second couteau d'un club, ou alors encore un nouveau prospect. Donc, ça va être dans le même profil d'un Vipotnik. Un mec, on ne sait pas s'il va s'adapter, on ne sait pas s'il sera performant de suite. Donc, ça va être compliqué. Voilà, ça peut être un prêt. Ouais, ça peut être un prêt, mais ça va être un second couteau quand même, si tu veux. Ça sera un mec, il sera pas. On va pas nous prêter Mbappé en Ligue 2. Voilà. Et notre directeur sportif, c'est Admar, avec la réussite qu'on lui connaît au niveau recrutement. Donc, t'as compris, quoi. Oh, c'est méchant, ça. Franchement, Joris, non, c'est vraiment. Non, c'est méchant de parler d'Admar, surtout que Admar est un passionné du club. Mais. C'est pas gentil d'être méchant. Au club, mais absolument tout. Là, je rajoute tout le monde. Hein. Ça va d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'au joueur, à l'entraîneur, etc. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi. J'aimerais tellement qu'on reçoive l'intendant et le jardinier dans cette émission. Ça expliquerait beaucoup de choses. Non, mais en vrai, on blague sur cette vidéo pour faire un petit aparté, mais ce qu'il voulait dire, c'est que c'est le seul qui n'est pas payé d'une certaine façon. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Alors, on sait que c'est pas vrai. Gérard, si tu nous écoutes, je t'ai encore envoyé une invitation pour rejoindre la Libre Antenne et tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas encore répondu à mon message. Il répond pas à l'Aslande et tu crois qu'il va te répondre à toi, sans déconner. Je ne suis pas l'Aslande. Pourquoi pas ? Donatien est libre, lui. Donatien est libre, ouais. Mais au moment où il discutait, il était libre aussi, l'Aslande. Hein. Mais bon, c'est clair. Du coup, il a acheté une maison en Corse depuis. Bon, voilà. On fait référence aux déclarations de l'Aslande sur les Girondins de Bordeaux qui sont. Son interview. Sont effet, ouais, son interview, je sais. Eh ben, je ne sais pas, je vais le retrouver. Sud-Ouest ou je vais le retrouver. Steph, qu'est-ce que tu penses de mercato hivernal ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau attaque ? Parce que vraisemblablement, on risque d'en avoir besoin. Dis-moi. Moi, non, j'en prendrai pas. Je me concentrerai sur un 6, moi. Voire même un défenseur central gauche, quoi, pour mettre en concurrence un peu Johan Barbet, qui sort mettre dans le droit chemin, Monsieur Barbet. On est vraiment déçus sur le début de saison. Mais clairement, en attaque, non, on a beaucoup de monde sur le milieu, en offensif. Après, il faut trouver les bonnes passes et tout. Pipi, il n'a pas beaucoup de ballons à jouer, finalement. De bons ballons à jouer. Oui, mais si demain VP se blesse, on fait quoi ? Tu vois que t'es Billy. Il y a quand même plein de postes qu'on a en double, mais en attaque, en vrai, on a quand même un petit catalogue, non ? Ou c'est moi ? T'as Badji, VP, potentiellement Ellis, et ça s'arrête là. T'es Billy. Deux Amoureux. Roulant qui peut dépanner, et après, t'as des jeunes. Et après, t'as Metro et Recrou en jeunes. Et t'as Livolant et Weisbeck potentiellement. Et Zurico potentiellement en bricolage. Ouais, t'as beaucoup de potentiellement, mais t'en as deux des vrais, quoi. On n'a pas du tout de 6, on a un attaquant, mais on n'a pas du tout de 6. Moi, je me concentrerai sur un 6. Oui, aussi. On a besoin des deux, en vrai. On a besoin des deux, du coup. Il va quand même falloir penser à marquer des buts, non ? Parce que là, si on reprend le classement que je vous remontre... Il va falloir penser à défendre aussi, hein. Je sais plus c'est quoi les chiffres. Il n'y a rien qui va dans la transition. On est très mauvais en défense. Hein. Ce week-end, on a mis 2 buts. Et on s'est mis 2 buts. Moi, je veux bien qu'on marque 2 buts. On a mis 2 ce week-end. Pour gagner un match, 2, c'est largement suffisant. Non, il faut arrêter de faire prendre des buts comme ça. On a marqué 2 fois plus de buts en 45 minutes que dans les 450 précédentes. Ce qui, en soi, est une belle perf et en dit long sur potentiellement le travail que Riera a fait. Quoi. Ouais. Après, pour revenir à ta question, Donatien, moi, je n'ai pas l'impression que
l'attaque ou un poste en particulier soit la problématique principale de l'équipe. Je pense que le problème, il est surtout en termes de cohésion de groupe, de mentalité et travail ensemble, quoi. Ouais. Si on n'est pas capable de faire autre chose que 15e avec le matos qu'on a aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas le matos, quoi. Tu vois, c'est à mon humble avis, hein, qu'ils apprennent déjà à nouveau à jouer ensemble, que certaines choses se règlent, à mon avis, en interne, parce que il y a des comportements qui sont étranges. On parlait du capitaine, on peut parler de Nsimba aussi, on peut parler d'Ignatenko. On est quand même sur des joueurs cadres qui sont défaillants, techniquement et dans l'engagement. Et contre Rodez, situation un peu lunaire, là, on se retrouve avec un capitaine qui vient mettre les braises là où il ne faut pas les mettre. Bref, bon. C'est comme ça. Donc moi, je pense qu'il faudrait continuer avec ce matos-là. On a largement mieux à faire. Et puis, je pense que apporter une concurrence à un groupe, à des joueurs, c'est très, très bien. C'est primordial. À condition que le groupe soit déjà sain, en fait. Sauf que là, on n'a pas un groupe qui est prêt à accueillir des joueurs. On l'a vu sur le mercato précédent. Mais on a ramené... Par exemple, donne-nous un exemple. Exemple simple. On a amené Livolan, on a amené Weisbeck, qui ont un certain pédigré, un certain CV. Ce sont des quiches. Ce sont des quiches. Pourquoi ? Parce que le groupe n'est pas apte à les recevoir, à les accueillir, que l'environnement est malsain. Contrairement à ce qui a été dit en conférence de presse par notre cher et tendre ami Gérard Lopez, qui nous a expliqué que le gros travail avait été fait au début de la reprise du club, justement pour assainir le groupe qui était pourri. Il a raison, il a mille fois raison. Sur certains points, en tout cas, je trouve pas que le groupe aujourd'hui ne sent pas le bien vivre. On le voit sur le terrain. On le voit. Sinon, on aurait des résultats qui seraient un petit peu meilleurs. Je veux dire, c'est pas en faisant un mercato à 12 millions, c'est-à-dire le double du budget de Concarneau, le budget global de Concarneau, qu'on arrive à créer une équipe. Voilà. Ton copain, Joris. Mais Charles, je vais te couper pour deux raisons. D'abord, parce que bon, tu parles trop, bien évidemment. Déjà, pour et commencer. Puis ensuite, pour faire appel à. Pour rappeler une petite info, moi, je vous invite à lire. Je vous le poste tout de suite, comme ça, dans le chat. Il y a eu un entraînement public aujourd'hui. Et il y a eu quelques échanges entre les supporters et les joueurs. Et il semble que les joueurs soient un petit peu à cran. Ils n'acceptent pas spécialement la critique. Et quand on leur dit. Et c'était déjà dans les banderoles aussi pendant ce match-là, hein, je ne me trompe pas. Allez les gars, bougez-vous, faites quelque chose. Ils ont l'air de pas très bien le prendre. Qu'est-ce que ça traduit, ça, selon vous, dans l'esprit des joueurs ? Quel pourrait être leur état d'esprit ou... Comment vous le voyez ? Pas tous à la fois. Hein. Je parle pas, tu vas m'engueuler après. Non, je voulais pas me lancer là-dessus. J'étais pas à l'entraînement. C'est des propos qui sont rapportés par Web Girondin et par d'autres. C'est rapporté par Nicolas, bien sûr. Oui, voilà. Non, mais c'est compliqué de se faire quand même une opinion. Moi, j'ai eu l'article... Oui, mais cette tension dans le groupe, cette tension qu'il pourrait y avoir, Moi, dans le groupe, je la sens pas, cette tension, contrairement à Charles. Je suis pas convaincu que les recrues étaient mal accueillies, etc. Qu'il y ait des tensions entre supporters et le groupe, ça me paraît évident et je trouve ça encore bien peu au vu des résultats. Alors, je ne fais pas un appel au caillassage ou quoi, surtout vu l'actualité, etc., ni aux insultes, etc., mais il faut quand même se rendre compte avec un peu de recul. Je pense qu'on sportivement, on vit la pire période de l'histoire du club. C'est pas des 10 dernières années ni des 20 ans, c'est... Demande à ton père, à ton grand-père, machin, ils n'ont jamais connu Bordeaux à ce niveau-là. Et je nous trouve encore bien patient, bien gentil. Alors non pas qu'il faille être méchant, mais le côté un peu revendicatif de chacun. Je mets pas les ultras ou même nous, etc. dedans. Enfin voilà, c'est une ambiance comme ça que commune. C'est pas encore délétère, c'est pas rompu, voilà. Alors que c'est le pire moment de l'histoire du club sportivement. Mais 15e, déjà être 15e. Bon, après 10, 11 journées là. 12 journées. 15e, ouais. C'est pas ouf, mais on est en Ligue 2, les gars, putain. Merde, on est en Ligue 2, on est 15e de Ligue 2.
C'est quand même. C'est du jamais vu. Hein. Et on est le premier budget de Ligue 2. C'est quand même. Enfin, il y a quelque chose dans nos têtes. C'est dur quand même à rester positif. Ah, c'est ça. Moi, j'ai un peu lâché l'affaire là depuis 2 semaines. Pourtant, je suis d'un naturel assez optimiste, mais il n'y a rien sur quoi j'arrive à me raccrocher pour être optimiste, ni sur le niveau de jeu des joueurs. L'arrivée d'Ira, pour moi, ça a fait pchit, ça y est. Il a beaucoup d'idées, tu ça va mettre du temps à se mettre en place. De quoi ? Tu l'as digéré d'une certaine façon, cette arrivée, en disant il se passera rien d'extraordinaire. Moi, c'est comme moi, je le vis comme ça. Non, mais j'étais optimiste au départ. Je me dis, bon, il fallait changer Guillon, très bien, ça a été fait, on va chercher Riera. Honnêtement, si je devais faire un comparatif, pour moi, Riera, c'est comme Vipotnik, c'est-à-dire, c'est un gros point d'interrogation, on prend un gros risque, c'est-à-dire que c'est notre entraîneur titulaire, entre guillemets. On ne sait pas vraiment de quoi il est capable, il a fait 2 saisons en Slovénie et une en tant qu'entraîneur adjoint ou 2 à Galatasaray. Pour moi, ça reste léger. Oui. Bon, on a fait ce qu'on a pu sur le moment. Très bien. Ok, j'accepte le truc. Il nous fait une conférence de presse géniale. Franchement, j'étais un peu reboosté. Je me suis dit, bon, voilà. Tu conférence de presse. Tu entends ça, t'es content. C'est ça. Ça reste un exercice de com. Dans la com, excellent. Et là, tu te dis, dans le jeu, je veux voir quelque chose. Ouah, t'as le même 11 que face à Guillaume, que Guillaume, quasiment. T'as les mêmes joueurs. Franchement, mis à part le coup d'envoi là. Tu fais les mêmes changements. C'est pareil, mais tout est pareil. C'est pareil, il y a tout qui est pareil. Honnête, enfin voilà, j'en vois plein qui disent oui, on commence à voir la patte Riera. Moi, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. La seule chose que j'ai vue, c'est 5 mecs qui sprintaient sur le coup d'envoi sur le premier match. Là. C'est la seule différence que j'ai vue. Après, j'ai vu les mêmes joueurs, mêmes compos, j'ai vu les mêmes groupes. Je vois toujours rien dans le jeu. Donc, moi, ça a déjà fait pchit l'effet Riera. Donc, j'ai rien à me raccrocher pour être optimiste. Donc, je suis vraiment dégoûté depuis 2 semaines. Là. Steph, je te voyais un petit peu hocher de la tête. Ouais, non, je pense que offensivement, je trouve que Riera, ça a changé offensivement, je trouve. Mais c'est pas la révolution qu'il a promis lui-même, qu'il attendait, etc. Ça n'a rien changé au classement pour le moment depuis que Guillaume est parti. On en est toujours au même point. Fait 2 matchs. Il n'y a pas eu des clics, il n'y a pas. Non, mais d'accord. Le premier match, je suis d'accord. Clairement, c'est la même. C'est la même équipe que Lyon. Je me suis dit, s'il commence comme ça, clairement, c'est qu'il y a un problème. Là, Zurico a tiré du côté. Là, il est derrière Vipotnik. Il a mis 2 attaquants. Il a mis, même si c'est Vesbeck côté de Vipotnik. Oui. Je me dis. Ok, non. Mais parce qu'on nous a souvent, on a souvent disqualifié Guillon en disant, ouais, mais il fait trop ci, il fait trop ça. Donc, il ne change pas assez de joueurs. Il a toujours le même groupe. Etc. Donc, on aurait pu se dire, bon, bah, le nouvel entraîneur, il va arriver, il va retourner la table, et puis, vous allez voir ce qui va arriver. Mais à la fin, en vrai, pour l'instant, il n'y a rien. Est-ce que le problème, c'était l'entraîneur ou c'est les joueurs? Parce que là, c'est là que je laisse parler Charles, peut-être, qui va lui nous dire. Les joueurs. Bah, c'est les joueurs, le problème, non? Ah oui, c'est les joueurs pour le problème. Non. Moi, j'ai bien si les joueurs nous regardent, désolé, les gars, mais à un moment donné, oh. On vous donne un nouvel entraîneur, je sais pas, nous les supporters, on est toujours là, on vous soutient. Les gars, il se passe rien, faites un truc, putain. Il y a qu'à voir la réaction de Johan Barbet sur le 2e but de Gaëtan Vesbeck, hein, quand il célèbre son but et qu'il court vers le groupe pour leur dire « Vous revenez sur le terrain, mais de quoi tu te mêles ? Il y a 10 minutes, tu fais la même chose, tu fais ton but, t'es bien content qu'ils viennent tous le fêter avec toi. » Et toi, tu vas rappeler tout le monde. Mais surtout que tu le piques à Vesbeck en plus. Mais oui, ouais, en plus le premier, quoi. Alors, j'ai vu ce pénalty, je me dis, il y a un gros plan de Bein sur Weisbeck, je me dis, ok, c'est Weisbeck qui va le tirer, mais en fait, pas du tout. Mais oui. Incroyable. Le deuxième but, il va célébrer son but, et on voit Johan Barbet, ils sont déjà tous autour de lui, il lui dit, ouais, allez, c'est bien, et revient sur le terrain. Mais non, on mène 2-0, revient pas tout sur le terrain, célèbre le but, quoi, prend du plaisir. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Et c'est capitaine. Et il est capitaine, lui. Ah. Les 2 buts de merde, les autres matchs que Strasek qui prend les buts, est-ce qu'il va lui taper dans la main, lui dire c'est rien, allez, remets-toi dans le match? Jamais de la vie. Il sait très bien pourquoi il y va pas. C'est lui qui lui fait 2 passes de merde. Forcément qu'il y va pas. Et mec, il est capitaine. Bon, ok. Moi, je suis pas dans le groupe, hein, mais il y a des attitudes qui me choquent, quoi. Qu'a subi, il prend un but, personne ne va lui dire attention, ça arrive dans ton dos. Hein.
Tu vas en district voir des matchs tous les dimanches, tu entends les mecs qui lui disent attention, ça arrive dans ton dos. Mais là, Cassidy se fait prendre dans son dos et personne ne va lui dire. Et il n'y a pas une poignée de main qui va lui dire allez, remets-toi dans le match, c'est rien, on est qu'à 2-1, c'est bon, on va le gagner ce match-là. Tout le monde baisse la tête et voilà. Clairement, il n'y a pas de mental. Le mental qui était l'année dernière, il n'est plus là cette année. Et le niveau de certains, il n'est plus là cette année. Alors, je tape toujours sur Vitaly Nsimba, Johan Barbet, c'est vrai. Mais ils ont été bons l'année dernière. C'est pas possible que cette année, ils soient aussi mauvais, même si ils soient moins bons. J'ai du mal à comprendre. Si mauvais, quoi. Ouais. Non, parce qu'ils ne sont pas mauvais. Enfin, fondamentalement, ils ne sont pas mauvais. On l'a vu l'année dernière, ils ont été très, très bons. Comment ils peuvent revenir d'une intersaison où il y a... Il n'y a aucun fait de DNCG, de machin. Ils sont partis en stage à Vichy. Enfin, tout va bien. Ils reviennent, ils ne sont pas bons. Moi, ils font penser, dans l'attitude, Nsimba, Barbet me font penser à Koscielny et Guilaoui quand ils sont arrivés. Des mecs qui étaient des leaders sur le terrain, qui ont essayé d'insuffler toute la bonne envie dont ils étaient capables, etc., tout le positivisme, et qui ont lâché l'affaire. Et là, Barbet Nsimba, je les sens un peu comme ça, là. Effectivement, cette attitude tête baissée, ils n'arrivent pas à être les moteurs de l'équipe alors qu'ils l'étaient l'année dernière. Et ça me fait vraiment penser au déclin en termes de leadership de Guilaoui et de Koscielny qui s'éteignaient match après match d'un point de vue pour leadership. Ouais. J'aimerais bien, parce qu'en fait, je pense qu'on dit, à peu près tous la même chose et qu'on répond à peu près aux mêmes questions aux questions que Donatien a posées juste avant. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un déclin. Alors, il y a un déclin technique et physique de la part des cadres, c'est une certitude. Alors, ça peut s'expliquer aussi par des longues blessures et tout qui n'ont pas été traitées. C'est notamment le cas pour Nsimba, ça l'est aussi un petit peu pour Barbet. Mais ce n'est pas ça qui explique la différence de leadership que tu as et la mentalité que tu insuffles en tant que cadre et qui plus est en tant que capitaine de l'équipe. Ça vient expliquer les défaillances depuis le début d'année, les chutes que l'on commence à voir. On revoit un petit peu des choses que l'on voyait il y a 2-3 ans en termes de comportement collectif dans les matchs. Et ça, c'est hyper inquiétant. C'est hyper inquiétant. Ce qui se passe contre Rodez est pas anodin. Steph, tu l'as très bien dit, ce genre de comportement est quand même assez étrange. On marque deux buts, on avait marqué un seul en cinq matchs, on en marque deux à domicile sur un match important avec des grands guillemets, et on profite pas de ça, on communique pas avec le public, on fait pas profiter l'équipe de cet engouement là. C'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Et qu'en plus, après, pour répondre à la question de Donatien, des joueurs se permettent de faire les starlets, pardon, pour elles, pour eux, pour être plus sympa, et ne viennent pas baisser la tête quand on leur dit « Oh les gars, ça va pas, bougez-vous le cul, parce que ça fait une demi-heure que vous jouez avec vos potes à l'entraînement et vous avez mis un seul but. » Et ce but-là, c'est deux amoureux qui le met en dribblant tout le monde, qui joue jamais en fait. C'est-à-dire que le gamin, il dribble tous les joueurs et il va marquer. Et c'est le seul but de la séance durant 30 minutes. Et c'est pour ça que les supporters ont pété les plombs. Et l'autre seul qui tirait son épingle du jeu, c'était Delima, qui commence tout juste à rentrer sous Riera. Donc c'est comment ça se fait qu'il n'y ait pas des cadres qui viennent remettre l'église au centre du village et dire « Oh les gars, on est 15e de Ligue 2, on est les Girondins, c'est quand qu'on se bouge le cul en fait ?» À quel moment on n'insuffle pas ça au groupe? Pourquoi il n'y a pas de cadre qui est capable de remettre la mentalité de compétiteur au sein du groupe? Et c'est là où je dis qu'il y a un souci dans ce groupe-là. Il n'y a pas un souci de conflit, de quoi que ce soit. Non, il y a un souci qu'il n'y a personne qui parle suffisamment bien et de manière suffisamment intelligente en fait, au reste du groupe et qui a suffisamment d'aura pour dire « Les gars, on fait de la merde, moi le premier, mais il faut qu'on se bouge pour telle, telle et telle raison ». Le blason, la 15e place en Ligue 2, le plus gros budget, on a des salaires de Ligue 1 pour la plupart. On a la chance d'avoir un stade qu'on a, on a la chance de jouer au Girondins de Bordeaux, parce que sur les 143 ans d'histoire, il y a 141 ans où ces gens-là n'auraient jamais eu la chance de jouer à Bordeaux. Tu vois. Il n'y a personne qui leur rappelle ça, en fait. Et quand les supporters viennent piailler un petit peu, à juste titre, et gentiment, attention, hein,
On est à ouais, des ça années reste gentil, lumière hein. de ce qui se passe. Ça reste gentil. Partout en Franchement, France. Juris, t'as eu complètement raison. Ça reste quand même très gentil la façon dont ils ont été alpagués. Et ils répondent. Et ils osent répondre. Oui. Mais t'es fêlé, en fait. T'es fêlé. On va demander l'avis à une autre personne qui nous a rejoint aussi en cours d'émission. Je vous ai envoyé le lien. Personne n'a voulu rejoindre la Libre Antenne à part notre ami Johan. Salut Johan, comment vas-tu? Salut les gars, ça va? Salut. Hein. Salut. Et toi, comment vas-tu? Comment va Johan? Ça va, je vous écoute depuis le début. Ouais, j'ai un peu plus de temps parce que j'arrive à la fin de la saison du travail, donc j'aurai un peu plus de temps. Et en fait, ce que vous dites, vous avez tout à fait raison. Après, ce que disait Charles par rapport aux cadres, c'est les cadres, de toute manière, les cadres nous ont lâchés complètement. C'est ça. On le voit complètement. Et moi, je pense que c'est depuis qu'il y a le départ de Guillaume. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est qui a demandé. Qui a dit. On va regretter Guillaume. Voilà, non. Rendez-nous Guillon. Je rigole, là, je rigole. J'ai fait une manière. Ouais, allez, rendez-nous Guillon. Donc, voilà. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que comme les cadres ont lâché, on n'a pas de relève, quoi. C'est pas les soi-disant, normalement, les Westbeck, les Voland, qui sont soi-disant capitaines, qui étaient capitaines de Sochaux ou capitaines de Guingamp, qui vont remonter, où ça va être remonté moral. Et moi, ce qui Il m'inquiète vient le plus, c'est... En fait. Ouais, mais moi, ce qui m'inquiète le plus, en plus, c'est la positive attitude de Riera. Moi, je suis d'accord. Il y a positive attitude. Parce il que est dans son rôle. Négatif, il est dans son rôle, Johan, non? Je suis d'accord. Imagine, t'as un entraîneur, il arrive et il est négatif. C'est pas possible. Tu oui, reçois mal le message. Non, il est obligé. Il est obligé. Je suis d'accord, mais ça va pas durer éternellement. À un moment donné, les joueurs. Ah bah non, s'il y a aucun résultat, si on reste. Pas, si voilà, on est 17e dans trois matchs, on est mal. Voilà. Et moi, ce que j'ai pas aimé de ce match, c'est voir, par exemple, que ce soit Zurico, que ce soit même Barbé, rentrer dans le jeu des supporters des Ultramarines, plus par rapport à l'histoire de l'année dernière, que par rapport aux sportifs. Désolé de dire les choses, mais à un moment donné, on est quand même, comme vous le dites depuis le début, on est quand même 15e de Ligue 2. C'est pas l'année dernière, c'est l'année dernière. Maintenant, il faut arrêter de. Voilà, on sait ce qui s'est passé, terminé. Mais quand je vois les attitudes qu'a eu Barbé et qu'a eu Zurico, ça m'a Elis. Vraiment. Ouais, et Elis aussi. Elis à la fin, n'importe quoi. Elis quoi. N'était enfin, voilà. pas au match de Rodez l'année dernière. Voilà. Voilà. Ouais, Elis, c'est un truc. C'est d'autant ouais, plus Elis, inquiétant. C'est un sanguin, ouais. Il a fait après le coup de sifflet. Il est pas... Je sais pas si vous tu vois, avez vu. Quand il prend le pédo, ouais, il va pas faire un tête contre tête avec le gardien, tu vois. Et après, ouais, je sais pas si vous avez vu. À la fin du, comment dire, à chaque fois que de manière les ultramarines sifflaient Rodez, ça leur donnait encore plus de, encore plus oui. de puissance, encore plus mais de. Bien sûr. Donc en fait, moi je comprends pas. J'ai rien contre les ultras, mais des fois je comprends pas, franchement. À un moment donné, voilà, il faut réfléchir un peu. Hein. On est quand même 15e de Ligue 2, les supporters. Mettez-vous ça. On est 15e de Ligue 2, à 2 points d'être relégable. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Enfin, voilà, quoi. Joris, il y a les premières banderoles qui ont pointé le bout de leur nez, quand même, de la part et de la Northgate et des UB. Notamment en remettant aussi en cause la direction, je trouvais ça bien. Je pense que ça fait aussi écho à la déclaration de Lopez que tu aimes tant nous repasser. Ah, stop. Tu vois, tu casses le rythme. Ah, mais non, je casse le rythme. Parmi toutes les personnes au club, mais absolument toutes. Là, je rajoute tout le monde. Hein. Ça va d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'au joueur, à l'entraîneur, etc. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi. Voilà, ça m'a permis de boire un voilà. coup hors antenne. Hop, je vous remets, pardon. Excusez-moi. Voilà, genre des messages complètement inaudibles, même s'ils parlent des gens qui sont au club. Donc, il faut lire voilà, les salariés, mais les UB connaissent bien évidemment des salariés. Donc voilà, je pense que c'est très mal passé vis-à-vis d'eux. Et encore, je trouve que ça n'a pas fait de grosses vagues. Hein. C'est passé un petit peu comme ça. Ça aurait pu ouais. faire un petit peu plus de vagues, non? Voilà, c'est après... C'est hallucinant ce qu'il dit.
ça dépend que de nous, etc. Et une fois de plus, je tape encore sur personne, mais il y a les premières banderoles qui pointent le bout de leur nez. Et si on prend un peu de recul sur la situation des Girondins, où on était très dépendant de Lopez parce que oh là là, c'était le grand sauveur, etc. Ok, ça l'était. Là, a priori, tout ce qui est dette, etc., sont épongés. Et là où à l'époque on s'était dit personne ne voudrait du club si jamais il était à vendre parce que c'est trop conséquent la somme qu'il y a à mettre, je suis pas sûr que ça serait le cas maintenant. Tu vois, je pense que Gérard Lopez pourrait commencer à se faire un peu tenser parce que il pourrait y avoir du monde derrière qui serait prêt à reprendre le club maintenant qu'il a été assaini financièrement. Donc tu penses que, je veux dire, là maintenant c'est moins dangereux de taper sur le président qui, moi j'aime pas trop dire ça, mais bon bref. Bon, qui nous a sauvé de la mauvaise passe dont on était, on va dire, peu importe, je veux pas trop rentrer dans ces débats, mais qu'importe. Non, non. Ok, mais maintenant que d'une situation, d'une certaine façon, comme tu l'as dit, la situation est plus saine, ok, oui. C'est bon, ouais, maintenant ça va. Tu nous as, ok, t'as fait ce que tu as fait, ce que tu as peut-être promis, etc. Mais bon, les résultats ne suivent pas. Donc, bah, tu fais partie de la chaîne de responsabilité. Donc, c'est l'heure aussi. Exactement. Exactement. Ouais. Je pense que c'est plus facile maintenant qu'avant. Et voilà, cette première banderole envers la direction était déjà un petit avertissement. Alors, ça s'adressait évidemment à Admar aussi pour tout le recrutement, etc. Mais voilà, je suis content que les supporters aient réagi un petit peu. Voilà, après c'est il n'y a pas que les UB, il y a nous supporters aussi, que on soit expatriés ou pas, qui devons réagir. C'est jamais évident de savoir quoi faire dans ces situations-là. Évidemment, pas de violence, pas de manque de respect, mais voilà, la situation est quand même relativement critique et inédite pour le club, donc c'est important de le souligner. Je peux vous poser une petite question, je repars un petit peu dans le début de l'émission, je fais un. Comment vous avez trouvé, c'est toujours un peu touchy de toucher de parler des UB, hein, je vous dis la vérité, mais comment vous avez trouvé les banderoles contre Rodez ou pour Rodez, peu importe. Comment vous les avez trouvées? Je vais vous donner mon avis. Je les ai pas trouvées spécialement pour nous aider. Je comprends pourquoi elles étaient là, mais je ne sais pas si elles nous ont réellement aidés. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est partie du jeu du supporter un peu. Ouais. Moi, ça ne me choque pas spécialement. Non, c'est pas choquant. Les joueurs qui enflamment sur le terrain pour ça, qui rentrent dans le jeu là, non. Non. Eux, ils sont pros. Ah. Il est 22h chez Yohan. Ah, c'est pour ça qu'il a enlevé sa. C'est pour ça que tu avais enlevé ton micro? Voilà. C'est ça, tout à fait. Mais les banderoles, elles sont. On a parlé lors de la dernière libre antenne. On a créé un événement qui n'avait pas lieu d'exister. Non, tu en as parlé. Tu en as parlé, Charles. D'accord, j'en ai parlé. Ouais. On a créé un événement qui n'avait pas lieu d'exister, à savoir cette rivalité contre Rodez au grand club de foot. Ce n'était pas une rivalité sportive. Ah la vache, qu'est-ce que t'es chiant, putain. Oui, pardon, d'accord. Excuse-moi. Donc, on a donné de l'importance. Le motosens. Peu importe les raisons, on s'en fout. Les raisons, on s'en tape. Le seul truc, c'est qu'on a donné de l'importance en fait à cette équipe. On leur a donné un poids nécessaire et suffisant pour qu'ils puissent jouer avec nous en fait et nous fassent sortir du match. Si on n'avait eu aucune banderole contre Rodez, on se serait foutu complètement de leur venue comme on le fait pour en fait n'importe quelle autre équipe. Bah, on serait pas sorti du match. On n'aurait pas attisé les tensions qui ont fait que Zurico et Barbé se sont amusés à titiller Boadès et consorts. Et ce match-là, on l'aurait même probablement gagné, en réalité. Bien sûr. Voilà, le problème, il est là. C'est on s'est fait un croche-patte tout seul, comme des idiots. Ouais. Et on s'est dit, tiens, on va montrer les muscles contre le petit, on va écraser le petit. Et il n'y a rien de pire, en fait, que de se faire taper par le petit. Et c'est exactement ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. On s'est fait niquer à notre propre jeu. Voilà. Alors que Riera avait bien expliqué en conférence de presse comment il fallait aborder ce match. Et je trouvais ça très intéressant, la façon dont il l'avait dit. Et voilà, pour en revenir au fait que ça fait pchit un peu avec Riera, c'est que ce discours-là n'est pas passé auprès des joueurs. Non. Ouais, c'est ça. Donc les joueurs sont pros, ils sont eux qui sont rentrés dans le jeu. Ouais. Si les supporters chauffent un peu les joueurs de Rodez, c'est à eux qui vont peut-être sortir du match. Moi, le jeu des supporters, il ne me gêne pas, parce que finalement, ça peut faire sortir du match les joueurs de Rodez. On l'a vu au début, hein, le président et tout, qui répondait un peu aux mots des supporters. Ça me choque pas, moi. Après, que les joueurs sortent du match et aillent se prendre la tête avec Boadès, non. Ça, c'est pas pro, par contre.
Oui, et puis tu vas avoir l'analyse inverse la semaine prochaine quand on va jouer face à Bastia où il y a déjà des histoires qui ressortent un petit peu et des tensions de l'année précédente qui ressortent via les déclarations de leur coach ou de leur président. Et là, ça va porter Bastia et ça va nous faire défaut à nous. Donc, c'est complètement la responsabilité du joueur et de la façon dont ils abordent le match. Oui. Exactement. Et c'est là où il faut qu'il y ait une cohérence dans la façon. Alors, encore une fois, les SUP et les UB font absolument ce qu'ils veulent. Hein, et vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il faut que ce soit cohérent, en fait, avec ton équipe aussi et que tu anticipes comment elle va réagir. On a une équipe de... Pardon, mais je veux dire, mentalement, c'est pas des compétiteurs. Pour le dire de manière gentille, ce ne sont pas des compétiteurs, les gars qu'on a dans notre 11. Clairement pas. Donc, t'amuses pas à ça. T'amuses pas à ça. Contre Bastia, les gars sont moins bons. C'est la pire attaque, je crois, de Ligue de Bastia. C'est une catastrophe. Mais les gars ont un melon différent. Attention. Eux, par contre, ça va les booster. Tu vois. Ah, mais... Je pense pas qu'ils sont intelligents de le faire avec notre équipe. Il va être 200%. Il y a Tom Ducos et Malcolm Bokele, qui va sûrement jouer en plus. Donc... Et Bokele va jouer. Ouais. Attention à Johan Barbet de bien tenir, c'est un cadre, c'est à lui de tenir. On a une équipe très jeune hein, aussi, il ne faut pas l'oublier. On fait Barbet, je crois lui déjà, ce serait bien. Barbet, je crois qu'il a, de toute manière, Barbet, je crois qu'il a lâché là. Bah, ça se voit quand même. Mais les mecs, ils veulent plus jouer, qu'ils lâchent chez eux, quoi, ce qu'ils le disent. Hein. Non, mais là, ils ont le match par exemple contre Rodez. Ils ont remis le classement juste pour voir leur support. D'écouter le coach en disant voilà, il y a 3 points, c'est hyper important. On est quand même 15e de Ligue 2, je le répète, avec 2 points de retard d'avance juste sur le relégable. Et au lieu d'écouter leur coach, ils ont écouté qui ? Les supporters, c'est tout. Eux, les supporters, tout le match, c'était une bronca dès qu'il y avait un joueur de Rodez qui avait le ballon. Et vu ce qui est, en plus, il y avait les mêmes joueurs, quasiment les mêmes joueurs l'année dernière. Donc, ils n'avaient qu'une chose, c'est qu'ils voulaient se taper Rodez, mais pas que dans le bon sens, aussi dans le mauvais sens. Et du coup, ça nous a fait plus défaut qu'autre chose. Parce que, mine de rien, les 20-25 premières minutes de Bordeaux ne sont pas mauvaises. Hein. Le nouveau système qu'a essayé Herrera ne sont pas mauvaises. On a vu un peu plus, pas énormément, mais un peu plus Welsbeck avec le ballon, qui était un peu plus bas que Vitpotnik, qui a fait un match assez correct. Mais après, à un moment donné, il y a Zurico qui commence à partir en vrille. Donc, du coup, il prend un jaune. Après. C'est Johan Barbet qui est parti en vrille avant. Ouais, en vrille, après Barbet. Zurico a répondu, en fait. Il est rentré dans son délire. Il est rentré dans le... Et par contre, ce que je trouve qui est bien, c'est que, pour une fois, la Ligue de football professionnel n'a pas fait n'importe quoi en mettant un arbitre de Ligue 1. Parce que je pense qu'ils auraient mis un arbitre de Ligue 2, ça aurait parti vraiment en vrille. Hein. Parce que franchement, j'ai trouvé que l'arbitre de ce match a quand même tenu le match. Ouais, c'était raison, plutôt bien arbitré. Hein. On ne le souligne pas assez, parce que le niveau est bas quand même de l'arbitrage globalement en Ligue 2. Et là, pour le coup, on n'a rien à dire sur ce match-là. Quoi. C'est ça. Et par contre, ce sera peut-être pas la même chose contre Bastia. Parce que quand je vois l'arbitrage. Je fais une petite parenthèse. J'ai remis le lien pour les gens qui sont dans le chat. Si vous voulez rejoindre notre discussion en direct, vous cliquez sur le lien. Vous vous laissez guider par l'interface et vous pouvez nous rejoindre. Voilà, juste. Je vous laisse continuer. Après, ce qui est inquiétant dans cette équipe, c'est que l'année dernière, ce que je disais tout à l'heure sur le chat, c'est que l'année dernière, notre point fort, c'était la défense. Et le problème, c'est que cette année, on a quasiment aucun point fort. Alors qu'on a zéro changement dans la défense. C'est ça. Alors que c'est la seule ligne qui n'a pas bougé. C'est ça. Offensivement, c'est catastrophique. Oui, non, de joueur, elle n'a pas changé, tu vois. Oui, ouais, mais il a raison. T'attaques la saison avec Ekomier Michelin, t'en as 2 sur 4 qui sont plus mêmes et le gardien non plus. Hein. Il y a un an, il a fait 8 points de match. Oui, non, mais bon, sur la charnière vraiment qui performait, oui, il était là, non, mais on est d'accord. Mais c'est pour ça que moi j'aurais souhaité qu'on réaligne vraiment les 4 mêmes derrière, même si Bokele. Michelin, pour moi, est passé devant, mais j'aurais bien aimé revoir un Bokele. Bon, ben, au final, on le reverra en défense centrale face à Bastia ce week-end. Mais il y a quand même eu quelques changements, mais effectivement, le problème, il est mental, comme tu dis. On a les mêmes,
les mêmes joueurs que l'année dernière sur cette ligne défensive. C'est pas les mêmes qui sont titulaires, mais ils sont là. Et là, je pense vraiment, c'est, alors, après, c'est toujours pareil. On dit oui, c'est des joueurs de foot pro, etc. Ça reste des humains avant tout. Quand tu dis, bon, on y va, on veut jouer la montée, et t'es revanchard, etc., et que tu commences à enchaîner les mauvais résultats, et que au final, au bout de 10 journées, 12 journées, t'es en train de te battre pour le maintien, que ton objectif, il a changé du tout au tout, je pense que c'est pas évident à encaisser. Tout joueur pro que tu es, voilà, si t'écoutes d'anciens joueurs, voilà, ou des biographies, des trucs comme ça, c'était tous des joueurs pro, et il y a quand même un moment où ils te disent, mentalement, t'en prends une derrière la tête, et c'est pas évident de se relever à ce moment-là. J'espère qu'ils vont être capables de le faire, et j'espère surtout qu'une petite série de victoires peut remettre la tête à l'endroit de tout le monde. T'as raison, Joris, et ça me fait penser à ton ami le plus proche, à la personne de Talmar Lopez. Ah, oh là là, là. Capillairement, tu veux dire pardon, oh, là, elle est dure, ça. Alors, il s'est éloigné. Capillairement parlant, pour commencer. Ah, ouais, je vais... Souci, ouais. Allez, hop, je... Il a fait une Antonetti, tu sais, au bout d'un moment, faut raser, quoi. Parce que, tu vois... Et non, mais ce que tu dis, c'est hyper important, parce que si on se souvient bien, après la chute terrible qui nous a amené en Ligue 2, le discours de Lopez, post-DNCG, c'est « Ok, les gars, on va essayer de monter la première année, mais dans tous les cas, l'objectif réel et concret, c'est de monter la seconde. » Donc, ça. Cette année. Voilà. Ça, c'est vrai. À quel moment, et bon, on l'a dit 25 fois, quand tu finis troisième de Ligue 2 la première année, à quel moment tu fais 10 mouvements de joueurs et tu brises ta colonne vertébrale pour bonifier l'équipe. Je veux dire, tu fais exactement l'inverse que ce qu'il aurait dû être fait. Tu aurais pu te séparer de 1, 2, allez, 3 joueurs max, tu aurais essayé de bloquer un jeune. Je parle de Mwanga et Bakwa. Tu aurais essayé d'en bloquer un, peut-être. Mais tu n'aurais pas fait tous ces changements-là. Tu aurais peut-être essayé de convaincre Baja de finir. Bref, mais tu n'aurais pas fait 10 mouvements de joueurs. 10 mouvements de joueurs. Tu as dépensé 12 millions d'euros pour changer 10 joueurs. Enfin, pour en faire venir 5 et virer 5. T'es fou, quoi. T'es fou. C'est-à-dire que sur le 11, le premier 11 qu'on sort, on a 7 joueurs différents par rapport au dernier match de la saison dernière. Mais à quel moment, je veux dire, on espère quoi? Elle est où la logique là-dessus? Il faut garder une ossature, hein, c'est sûr. Les amis, les joueurs, ils veulent rester. Les amis, on va accueillir notre amie Carole, qui a donc cliqué sur le lien et qui est avec nous. Salut Carole. Salut Carole. Et il y aura bientôt plus de place dans l'écran. Salut Carole. Ouais, Carole, tu étais. C'est pour faire le nombre, c'est pour faire 6. Ouais, j'étais au match. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, depuis. Qu'est-ce que tu peux nous dire du match? De la situation? 30 000 personnes qui encouragent une équipe. Ok. Il y avait vraiment 30 000 personnes? Ouais, 30 098. Okay. À la fin, ouais, ils ont mis du temps à arriver. Mais au début du match, on était quoi? On était 23 annoncés. Ouais. Ils ont mis du temps. Ouais. Non, mais Carole, qu'est-ce que tu veux? Tu as regardé l'émission, j'imagine, depuis le début. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier? Non, ben, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit les uns et les autres. Le souci, c'est que moi, je suis lasse de tous ces épisodes. Entre la communication qui va pas, entre les joueurs qui se bougent pas les fesses, entre le problème de Rodès, entre l'entraîneur qu'on change, enfin, c'est... T'as l'air désabusé, Carole. Moi, voilà, je suis désabusé. Je suis un peu comme Pensée Foot, la possibilité, voir quelque chose de positif, je vois pas où. Même l'entraîneur, à mon avis, ben moi, ça fait pchit aussi. Je ne vois pas la patte rira encore. Alors, il faut laisser du temps.
Il faut laisser du temps. On a déjà laissé du temps au tout début de saison. Oui, mais du temps au temps. On a vu du positif dans les défaites. Et puis ensuite, on s'est dit. Mais oui, mais on n'a pas de temps. La 15e place. Là, maintenant, on vient de changer d'entraîneur. Donc, il faut laisser du temps. Et puis après, il y aura le mercato. Donc, on aura des nouveaux joueurs. Donc, il faudra laisser du temps. Et puis. Voilà, on a trouvé toutes les excuses possibles à tous les joueurs et à Guillaume. Oui. On n'est pas foutu de laisser un mois, deux mois, allez, trois mois à Riera. C'est ça, on arrivera à la fin de la saison et puis on verra. Et ben, on se laissera du temps pour l'année prochaine parce qu'on aura construit un bon effectif cette année. Donc pour l'année prochaine, on aura des automatismes qu'on n'avait pas eu avant. Et puis là, maintenant, ça sera bon. Et puis on enlèvera les joueurs qui étaient mauvais. Donc avec le départ de X, et ben, on laisse. Non, c'est bon, arrête. Mais tu bougues, t'oublies une chose, Donatien, c'est que si on ne monte pas cette année, c'est fini, quoi, parce qu'il a bien dit Lopez qui mettait plus en haut, hein. Enfin, qui divisait un peu son. Alors après, on verra si c'est de la com' encore une fois, mais c'est ce qu'il a dit, quoi. Après, il dit tout et son contraire. Hein, ce... Non, mais il y a toujours quelque chose. Mais moi, j'ai envie, les amis, qu'on fasse une petite pause, si ça ne vous dérange pas. Merci. Personne on revient dans 5 club. Minutes. Mais absolument toutes, là je rajoute tout le monde, hein. ça va de d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'aux joueurs, à l'entraîneur, etc. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi. Ouais, bien sûr. La passion, c'est ça qui compte. Pardon, je m'en lasserai jamais de ce truc. Bah oui, bah, on est en vrai, je pense que... pour la montée là. Réellement, la quoi, pardon, excuse-moi, j'ai la un montée, problème dans lequel j'ai entendu la montée, ouais. La quoi. La montée, bah, moi, j'y crois encore. C'est quoi ça? Et... Toi, tu crois encore à... Alors, ça, c'est bien. Dites-nous dans le chat, qui croit à la montée ou pas? Dites-moi oui ou non dans le chat. Et... Steph, il pense à ce qu'il veut, à la montée des pistes. Levez le doigt. Levez le doigt. Il pense au stylo, Steph, il est ailleurs. Pensez foot, il est pour la montée. Ah oui. Non, mais je suis pour qu'on monte. Oui, moi aussi, je suis pour qu'on monte. Moi, je suis pour la Ligue des Champions, même, tu vois. Non, moi, j'y suis. Moi, j'y crois. J'y crois encore. Tu crois moi, encore dis... Tu penses qu'on peut. Ah ouais. Franchement. Ouais. Si, le. Non, mais moi, je pensais qu'on allait être champion l'année dernière, donc tout est possible. Je remets le classement aujourd'hui. Nous sommes 15e avec 12 points. Non. Non, si. 12 matchs. C'était quoi les. Oui, 12 points, 12 matchs. C'est un parcours de relégable. Voilà. Ah oui, il a un point par match, oui. Sachant que notre professeur adversaire, il est juste devant nous, quoi. Et il va nous mettre à 5 points, si, à 4 points. Si, oh, si on est à 9 points du 5e pour accrocher les playoffs. Oui. C'est ce que j'ai regardé aussi. Hier, pour jouer des matchs en jeu. Si on perd et qu'on a 3 ou Valenciennes qui gagnent, on est relégable. On est dernier. On est relégable, ouais, pardon. Mais on perd pas dimanche. On est relégable. Ouais. Et avec un peu de malchance, on peut même se retrouver avant-dernier. Et la malchance, ouais. C'est pas ce qui nous caractérise le plus du tout. Non. Non, c'est la défaillance. Non. Mais après, il faut être clair aussi. On en revient aussi sur cette histoire de construction d'effectifs, d'entraîneurs. On a quand même entendu certaines choses, notamment lors de l'interview de Christophe Hutto par Nico et ses consorts lors du talk. Bon, elle nous révèle des choses qui sont un peu étranges sur la méthode Guillon, tu vois. Parallèlement à ça, on a... Je vous invite à regarder, Nico a isolé une vidéo, elle est sur la chaîne YouTube de Web Girondin, si vous ne l'avez pas vue, mais vu le nombre de vues qu'a fait la vidéo ou le talk, je pense que tout le monde l'a vu, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vais vous poster le lien tout de suite. Pardon, Charles. Après, on nous explique aussi que le groupe a été construit par Guillon. Commence à y avoir un certain nombre de journalistes qui disent le contraire. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Ça commence à faire beaucoup. Donc, moi, je veux bien qu'on tape sur Guillon. Je pense à juste titre parce qu'il est mauvais. Voilà. Au bout d'un moment, va falloir aussi prendre tous les problèmes les uns après les autres. Quoi. On a un problème au niveau de la direction sportive qui est évidente en termes de construction d'effectifs et peut-être de certains passe-droits. Faut pas oublier l'interview qu'il a faite dans Sud-Ouest, notre ami, ton ami Edmar Lopez, Joris, qui nous expliquait qu'il était partie prenante dans la construction des groupes. Hein. Il a dit ça textuellement. Il s'est même permis de dire que la réussite du centre de formation, c'était lui. C'était lui. Extraordinaire. Oui, bien sûr. Bon,
on va pas épiloguer pour remettre l'église au centre du village, mais donc on a ça, on a des entraîneurs qui se succèdent, dont Guillaume qui est conservé alors qu'il est en contrat court, il peut être viré, ça nous coûte rien. Et non, il est conservé pour des raisons lunaires, peut-être, on ne sait pas. On parle beaucoup de l'impact des cadres, et notamment de Barbé et d'Etan Simba dans le choix de la reconduction de Guillaume cet été. Au final, on finit par le débaucher pour mettre Riera. On voit que les joueurs n'ont pas la mentalité qu'il faut et qui est adéquate. Voilà, il va falloir essayer de trouver une solution pour qu'on redevienne une équipe sérieuse de foot, quoi. Putain, faut que je m'arrête. C'est magnifique. Après, par exemple, vous en avez parlé au début sur le mercato, tu en as parlé de Nassien aussi. Il y a une chose est sûre, c'est que Riera ne se laissera pas marcher sur les billes pour les joueurs. S'il ne les a pas, à mon avis, il va pas rester. Hein. Enfin, c'est, bien sûr, dans la limite du possible, mais il ne restera pas. Parce que ça veut dire Riera, quoi Je suis d'accord avec toi. Qu'il va s'en aller, parce qu'il n'aura pas ce qu'il mais de son plein gré ou de la part de la direction plein gré. Il va nous faire une couillette, tu vas voir. Est-ce que tu crois franchement que Riera, il a le caractère de Guillaume, non? Donc Riera, il ne va pas se laisser marcher. Hein. On le voit dans les conférences de presse, on le voit. Donc moi, je vous dis sérieusement, il faut qu'il ait ce qu'on lui demande, hein, parce que sinon, au revoir. Hein. Il faudrait qu'il y ait un événement particulier et qu'il le fasse dégager. Mais... Il y a quand même le mercato qui se présente et qui peut être un élément qui peut changer à la fois, alors pour aller dans ton sens, Johan, c'est-à-dire la façon dont Riera voit son équipe, la direction et tout ça. Et ça, c'est un élément important. Moi, je vois pas Riera partir. Hein. Je pense qu'il est un petit peu comme les joueurs, il est bien payé, il est bien là où il est et il fera. Hein? Pardon, ça fait qu'un mois qu'il est là. Attendons un peu, justement. Si deux mercato de suite, il se passe des choses dont il n'est pas, il a pas envie et qu'il n'est pas content. Deux mercato de suite, c'est pas, il va pas partir en avril du coup. Ça veut dire six mois. Non, pas en janvier, tu parles. En janvier, toi, tu parles. Non, je veux pas dire qu'il va partir en janvier, mais il va y avoir un mercato. Donc, pour aller dans ton sens, ce que je voulais dire, c'est que s'il est très mécontent. Du mercato et comme tu sembles le dire, c'est-à-dire que c'est une personne qui a un fort caractère, ce dont à mon avis ça me semble évident, mais le voir partir de son propre chef, personnellement j'y crois pas, pardon, je sais pas, et je vois Joris qui pense un peu la même chose. Non, t'auras un effet de com en mode je fais du mieux que j'ai avec le matériel que j'ai sous la main, un grand coach c'est censé pouvoir faire, voilà, tirer le maximum de ses joueurs, t'auras le blabla habituel, mais non, je sais, il fera pas. Je le vois pas faire une poillette du tout. S'il est parti en cours de saison en Slovénie pour arriver en Europe, en Ligue 2 à Bordeaux, bon, il y avait le côté affectif. Il y avait aussi le côté notoriété un peu Europe. Certainement, il cherche davantage à entraîner un club d'Europe de l'Ouest. S'il fait que 6 mois à Bordeaux, ça va pas. Il va pas marquer des points en termes d'image pour chercher un futur grand club à l'avenir. Hein, donc, mais oui, il va falloir qu'il se replace après. Si tu quittes ton club après 3 mois pour aller dans un autre, pour le quitter tout seul, c'est ça. Je sais pas moi, mais moi, j'emploierais pas un entraîneur comme ça dans mon club. Ça fait mercenaire. Désolé. Ouais. Bah ouais, c'est mort. C'est un peu comme des joueurs qui changent de club tout le temps, quoi. Non, mais ce que tu dis, Donatien, ok, mais le problème, c'est que si on stagne et que, enfin, s'il voit que ça progresse pas, que c'est toujours pareil, à un moment donné. Il mangera son chapeau. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il mangera son chapeau, voilà. Il fera peut-être comme Guillon, à qui, selon certains journalistes, comme disait Charles, il n'a pas eu le mercato qu'il voulait. Bah, il compose avec ce qu'il a, et puis et il attendra que la sentence vienne d'en haut. On peut citer les joueurs hein, pour se donner une bonne avis. Il faut voir comment se passe le mercato aussi. Les joueurs. Si t'as Riera qui demande vraiment, au lieu de demander des profils ciblés des joueurs, parce que là, en ces derniers temps, on a deux échos vis-à-vis de Guillaume, entre Guillaume qui a vraiment ciblé des joueurs, qui avait dit « je veux tel nom », et Admar d'un autre côté qui a proposé des joueurs que au final, Guillaume devait valider et qu'il aurait validé. C'est quand même pas la dernière démarche quand tu dis « je veux un tel », et qu'il y a Admar qui vient de voir avec une liste de 50 noms, disant « le premier qui ressemble le plus à celui que tu voulais, mais c'est pas celui que tu voulais, c'est lui ».
Est-ce que tu valides oui ou non? Mais t'en fais quoi? Exactement. Si tu valides pas, tu passes au plan C et ainsi de suite. Un peu de data, regarde, tu vois ton joueur, celui-là, regarde, celui-là, il a un peu le même profil. Voilà, le bilan, bilan d'Admar, il est cata. Donc, Riera, il n'aura pas les joueurs qu'il veut. Il aura des profils un peu similaires qui viennent de Slovénie ou de je ne sais où, qu'on ne connaît pas. Peut-être 2-3 mecs en prêt. Là, mercato hivernal, typiquement, on va se taper des joueurs expérimentés en prêt qui ne jouent plus dans leur club, mais. Voilà, ben ça sera peut-être une bonne pioche, hein, mais bon, enfin, quand tu vois le bilan de Admar, tu sais où on met les pieds déjà pour cet hiver. Hein. C'est pour ça que j'ai pas de motif d'espoir pour cet hiver. Hein. À part, tu crois pas au déclic du mercato, toi? Non, mais tant qu'Admar il sera là, je crois pas au mercato tout court, hein, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Après, Riera, il peut nous amener des joueurs de Slovénie, peut-être, puisqu'il était en Slovénie. Oui, mais on en a déjà de Slovénie. Enfin, pour l'instant, ça marche pas. Pardon. Non, mais il y a pas que des. Alors, je fais l'avocat du diable et Dieu sait que ça me fait chier. Mais il y a pas que de la merde non plus dans ce qu'a ramené. Et encore heureux parce que là vraiment, on serait dans une situation de fou quoi. S'il avait 100% des déchets, c'est un truc de taré. On a eu des recrues, 90. Pas trop mal. Oui. Non, on n'est pas 90. Vous me poussez à faire quelque chose que j'adore faire et je vais le faire. Si tu veux, on fait la liste. Non, mais ça me fait chier, je vais quand même pas te défendre Admar Lopez, c'est quand même un truc de fou. Mais me pousse pas à faire ça, tu vois. Pas besoin de te pousser, hein. Moi je sais qu'on a 90, voilà. Hein, je l'ai déjà faite la liste. Et voilà. Vous m'avez d'accord, poussé. D'accord. Bon, donc Zurico, pour toi, c'est de la merde. Donc, Pitou, il vaut vraiment rien. En même temps, il joue pas. Donc, on est sur 2 sur 20. On est sur 10%. D'accord. Et puis, et si on parle en termes de volume financier, Michelin, là, le mec que j'ai aussi derrière moi. Cette année, Barbet et Nsimba, bon, après, c'est pas le réseau, mais Barbet et Nsimba, même s'ils sont nuls cette année, et affreusement nuls. Ils n'étaient pas mauvais l'année dernière. Non. Et arrêtez, parce que je ne vais pas défendre Lopez plus longtemps, parce que c'est chiant. et en plus, je suis tout seul. Mais bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique. C'est bon, Diaz. Non, il y a quelques joueurs qui sont... Diaz. Pas la raison. Diaz, putain, c'est pas tous en même temps. Statistiquement, un mercato, c'est 50%. Tu as un joueur que tu arrives qui marche bien et un joueur qui ne marche pas. Il doit être à quoi? Il doit être à 70%, un truc comme ça. Allez, mais vraiment pour être dans ton sens, tu vois. Mais bon, supporter. Bon, j'arrête. De toute façon, je suis pas un passionné. J'ai pas mis 40 millions dans le club et je suis pas jardinier. Arrêtez de parler. Chaque fois que quelqu'un va dire passionné à partir de maintenant, je vais mettre la vidéo de Lopez. Donc faites gaffe. Ok, Steph, tu veux dire quelque chose? C'est Gérard. Ouais. Non, grand réseau Gérard dans le foot. Pardon, chut. Steph. Non. Non, d'accord. Non, mais, non, je pas. Non, mais moi, j'ai pensé que vous voulez dire un truc intéressant. Moi, c'est qu'il y a 90% de mauvais dans le recrutement. Enfin, Michelin est bon, Diaz est bon, VP a un vrai potentiel, Zurico est bon. VP, mais je comprends mais pas. Mais oui, on en reparlera, pensez foot. On en reparlera. Mais est-ce qu'on a besoin de potentiel ou on a besoin de résultats? Bon, c'est ça que je comprends pas, mais je comprends. Mais ce que disait tout à l'heure Jury, c'est-à-dire... des prospects, des joueurs en développement, ben c'est bien dans un club d'en avoir, tu vois. Mais d'aller mettre tous ses pions sur un joueur en disant « Ah bah voilà, celui-là, il va nous sauver. » Mais non, pour l'instant, ça ne se vérifie pas, pardon. Ça ne se vipie pas. Vérifie pas. Vipie, bon, bref, il a pas joué, c'est nul. Toute la période Guillon, il ne l'a pas joué, vipie. Et mais pourquoi? Mais pourquoi s'il était si bon, alors? Parce que Guillaume, c'est les joueurs qui avaient le plus gros montant de transfert. Donc, il a Maggi, tout cela jouait. Sur les 5 matchs, c'est quand même un but et 4 poteaux. Hein. Non, c'est là où c'est drôle, c'est contre le vent. Comme le mec, c'est un tueur devant le but. Quoi. C'est un finisseur, il lui faut une occasion, c'est un but. Mais à chaque fois qu'il a une occasion, il la met sur le plateau. Mais même dans l'énoncé des stats, c'est drôle, c'est-à-dire qu'on te dit il a marqué 20 buts en 30 matchs. Si tu regardes plus large, le mec a marqué 20 buts en 50 matchs. C'est-à-dire que sur les 30 derniers, oui, mais il en a marqué 20. Mais sur les 50 derniers, il en a marqué 20 aussi. Donc ça veut dire qu'il y a 20 matchs où il a passé sans marquer. En fait. On s'est tous chauffés parce qu'on a eu ce stat-là. Mais il a une marge de progression qui est énorme. Il n'a pas de niveau qu'on doit attendre d'un attaquant de Ligue 2 au Girondins de Bordeaux et potentiellement de Ligue 1 l'année à venir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on est tous là-dessus. Maintenant, bon, il jouit aussi d'une certaine comparaison avec sa concurrence, quoi, tu vois.
Il y a... Ou alors on met Badji, tu vois, ou bon, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, dans le matos mais qu'on Badji, a. Mais hein. Pardon, enfin, voilà, ça, de loin, c'est le meilleur, quoi. Il n'y a même pas à discuter, quoi. Badji, il a marqué combien de buts l'année dernière? L'année dernière, il en a marqué 5, je crois. 4 ou 5. 5. Il a marqué les esprits déjà, mais. Combien il n'a pas marqué de buts, hein. Combien il a marqué de buts, notre ami Badji, l'année dernière, putain? 5, mais sur 3. Il en a marqué 4. Ouais, il en a marqué 4, mais vous allez me faire un petit cadeau. Sur combien de matchs Non, mais peu importe. Mais il en a marqué 5, parce qu'en fait, il a fait une passe à mon ami Franck Sergio, où il aurait pu la mettre lui-même. Ah oui, en vrai, il a été, il aurait peut-être raté. Non, il n'aurait pas raté. Il n'aurait pas raté. Mais disons, il en a marqué 5. Mais normalement, VP, selon les stats, en vrai, on va dire 5. Ouais. Et normalement, enfin, à la fin de saison, il en a marqué au moins 15, non? Ah, pour l'instant, c'est mal barré. Bah, attends, ouais, c'est pas fini. En même temps, il n'a pas beaucoup non plus, il n'a pas 50 ballons. Hein. Mais oui, il n'a pas de ballon. C'est donc, si le mec, il n'a pas de ballon. C'est souvent cadré. C'est souvent cadré. C'est... Par contre, c'est souvent le match cadré, de oui, poule. Le gardien, il sort le match de sa vie. Le premier match de poule. Ah, c'est vrai que le premier match, on n'a pas de quoi. Non, c'est la défaite la plus encourageante. C'est la plus encourageante des défaites 3-0. Franchement, c'est. Il n'a pas de réussite, il a quand même fait une poteau, une barre, voilà. Mais par contre, moi je trouve qu'entre Badji et VP, le mieux c'est. Ça se compare même pas. Ah bah non, mais moi j'étais pas sur la comparaison. Hein. Ah non, non. Ouais, mais c'est plus pas simple à te donner. Donc. Faut pas déconner, non, mais je disais juste que si nous met 30 poteaux d'ici la fin de la saison, ça nous fera une belle jambe, quoi. Ouais, non, ça nous fera un putain d'expected goal. On nous dit quand même que Macha a marqué combien de buts l'année dernière? 15, mais il a mis 7 pénalties. Eh oui. Ouais. Ah oui, Maja était très bon l'année dernière. Ouais. Et tout le monde nous dit, ah, Maja était très bon l'année dernière. Oui, mais Maja l'apporte dans le jeu. Steph, Maja l'apporte dans le jeu. Ah, Vipotnik l'apporte dans le jeu. Désolé, il apporte. Il n'y avait pas les mêmes joueurs aussi, Donatien. Il y avait aussi Bakwa, par exemple. Donc on revient toujours aux mêmes choses. VP, à nouveau pas de bol, il a eu un penalty, il ne l'a pas mis. Vraiment, c'est pas de chance. Ouais, ouais. Et Westbeck, il aurait pu en mettre un, mais Barbet, il est arrivé, il a fait non. Barbet, il prend tous les coups aussi. Maintenant Westbeck. Ah, mais ouais. Il a raison, il les met au fond. J'aurais juste dans une merde. Chut, attendez, je pense qu'on est inaudible. Pas tous en même temps. Carole. J'ai un problème de connexion, en fait. Je vous entends en double. Alors, je ne vous dis pas le capharnaüm que ça donne. Tu nous entends en double? C'est parce que Donatien et moi, on a le même avis, c'est tout. Eh oui, c'est pour ça. Alors, on est, alors je vous ai en écho. Tu nous as en écho? Non, mais je vous ai en écho. Donc, à chaque fois, la phrase, elle est répétée deux fois. Aïe. Ah ouais, alors, je ne vous dis pas. Alors, toutes les phrases, je les en... Ah la vache, toi qui es bavarde, décidément... Je suis un peu déçu. Pour une fois que c'est pas moi qui ai un problème d'écouteur. Donc je pense que c'est la connexion, je sais pas. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire? Si on va arrêter de parler, parle toute seule. Mais c'est pareil, alors... moi mes phrases sont répétées aussi. Allez, ah ouais, c'est horrible de s'entendre en double. Ah, c'est horrible de s'entendre. C'est comme si donc, moi je parlais et que Charles parlait en même temps, c'est horrible. C'est horrible. Ah ouais, en fait, je m'entends en écho aussi, c'est-à-dire que ma phrase, bim. Et ben tu te déconnectes et tu reviens. Ben c'est ce que je vais faire. Je vais essayer. Oui, mais n'hésite pas. Donc, je vous quitte et je reviens. Ça va. Oui, oui. Okay, ça marche. Voilà, super. Merci. 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 Bon, bref. Bon, VP, c'est survendu. C'est ça qu'on vous dit avec Joris. Et vous nous dites, non, mais les gars, vous trompez. En vrai, c'est le futur Haaland. Bon, bah, ok. Non. Mais il n'y a pas de souci, les gars. Il n'y a pas de souci. Mais disons, nous, on fait la même. En vrai, quoi. Non, mais le vrai truc, c'est qu'on fait la même erreur avec tous les joueurs, c'est qu'on raisonne de manière individuelle sur les gars, mais si à ce moment-là, on raisonne de cette manière et qu'on tire ses conclusions sur Vipotnik, faisons la même chose sur les autres joueurs. Et à ce moment-là, Livolan, il part accompagner le jardinier, Weisbeck, il va découper les oranges, et puis ainsi de suite pour le reste du 11, en fait. Tu vois. Oui, mais est-ce que le jardinier est passionné? C'est ça la question. C'est ça. Ah ben, il peut être passionné, oui. Je crois que même en cassant le PEL, le jardinier, il n'a pas réussi à être passionné. Ouais. Stop. Écoutons un petit peu. Sonne au club, mais absolument toutes. Là, je rajoute tout le monde. Hein. Ça va d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'au joueur, à l'entraîneur, c'est etc. Long. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi. Merci. N'insultons pas les jardiniers. C'est ça qu'il faut retenir.
Bon, bah, moi, je ne sais pas quoi vous dire sur VP, mais on en avait déjà fait une émission, Joris, je m'en rappelle très bien, où on était un peu tous les deux sceptiques, hein, sur la Oui, hype non, mais VP. Pour l'instant, on c'est n'a ça. pas tort, on n'a pas envie d'avoir une médaille parce qu'on avait raison, mais Vous pensez bon. quoi Non, de mais son donc, match je contre pense qu'avec RRA, il va Ça va pas s'améliorer, durer. VP, hein, voilà. Vous avez pas, Ça d'autant va plus pas durer. que. Vous avez raison. Voilà, d'autant plus que moi, je voulais, enfin, je maintiens ce que j'ai dit, je ne l'attends pas sur ces 6 premiers mois, je l'attends à partir de janvier. Mais pour moi, voilà, c'était pas le remplaçant de Madja, c'était pas le titulaire qu'on attendait. S'il met 5 buts d'ici la fin de la saison, ça sera très bien pour une première saison. Il est en Voilà. développement. Voilà. J'allais dire, c'est un artiste. On dit ça en musique, pardon. C'est un joueur en développement. Bah voilà, il va exploser. Peut-être en effet. Puis bon, il faut qu'il ait d'autres mecs derrière qui lui donnent peut-être des Aussi, meilleurs ballons, qui aussi. lui mettent un peu C'est un plus. tout, on est Bien sûr, d'accord. c'est un tout. Mais lui tout seul devant avec Lee Volland et les autres pitres, ça va pas marcher. Mais non. Ça Mais va lui pas de marcher. Lima, il va lui mettre des bons sens, tu vois. Et bah écoute, du match qu'on a Lui de vu. Lima, il met 2 buts. Vas-y. De Lima met 2 buts. Non. Je Mais lui note. de Lima sur les côtés, il va te mettre deux Ah, buts. De pardon. bon sens, il va te mettre 2 buts. Terminé. Il va donner des passes en tout cas, oui. Ça, c'est sûr. De Mille fois. toute façon, on n'a pas vraiment. On peut pas faire autrement que de composer avec Vipotnik. Je veux dire, on voit bien le Pas niveau faire ça. Kabadji. Tu veux mettre qui? Je veux dire, on va mettre Tebili, d'accord, bah, et on va avoir le même raisonnement avec lui. Donc, déjà qu'on réapprenne à jouer au foot co correctement, qu'on arrête de ca casser les pieds à tirer sur le gardien alors que l'attaque n'est pas foutue de tirer une fois au but, ça commence à aller un peu mieux. On l'a vu contre Rodez, occupons-nous de ça. Et puis, Ah pardon, on l'a et vu contre puis... Rodez, mais on a filé des patates chaudes à Johnson parfois. Oui, c'est pour ça que je te parle de l'attaque. C'était pas mignon quand même, hein. Nous, on Franchement, n'a rien le filé de pauvre. méchant à Johnson, à part une, où il a fait Non. un Ah, il y boulot a qui a quelques envoyé un petit passes. bas. C'est la seule passe dangereuse qu'il a eu à faire. Et il a eu une Ah, bonne il y chance a de la quelques. faire. D'accord, mais il y a Il quelques y a passes 80. de notre On a... ami Bokele où c'était pas facile, hein, parfois. Hein. Oui, non, mais quand tu finis le match où tu as des périodes où tu es à plus de 85% de possession sur un quart d'heure, bon, viens pas me dire qu'il y a eu un pressing de psychopathe sur Johnson. Juste une. Johnson, il a ronqué tout le match, il n'a rien eu à faire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai juste une question, les gars. Quand on avait gagné un match amical il y a un bon moment là, à l'époque de Guillon, Livoland, il jouait pas à côté d'un autre attaquant? Non, Livoland, mais c'est juste une le mix de question. Haaland et Livoland, c'est le. Livaland. Non, mais il jouait pas. Il jouait pas attaquant à côté d'un autre joueur. Il joue attaquant, ouais. Non, mais c'est vrai, il est de formation attaquant. Contre Clermont, voilà, c'était le match contre Clermont en amical. Mais il a été formé. Il a été formé Livoland, attaquant, excellent Livoland. Livoland. Ça passera dans un bêtisier ça en fin d'année, tu sais, Livoland. Tu feras Ah un la vache, montage, tu sais, assez Livoland. atroce. Nico, si tu nous écoutes, ça c'est un best-of, hein. Voilà, Livoland. Allende d'un Livoland. côté, puis t'as Livoland volante de l'autre. Ah la vache. C'est Essayez de l'affaire trouver. de François Ah, il est Hollande. moins cher, tu sais pourquoi. Oh, ouh. Essayez de trouver Non, mais aussi je la veux même dire, chose avec Badji. Pardon. on devrait peut-être jouer en 3-5-2 déjà, pour qu'on ait plus qu'on soit que l'attaquant soit pas tout seul à chaque fois. Et pourquoi pas C'est ce qu'on fait tenter en plus. Ça, c'est vrai que jouer avec hein. deux attaquants, ça serait quand même mieux, non? Bah samedi, il y en avait deux. C'était Vesbeck qui C'est avait fait. ce qu'on Non, fait mais sans c'était lui. Ouais, putain, la vache. Mais C'est il pas un était attaquant. derrière, c'est Mais pas un bon, vrai c'est pas attaquant. vraiment un Hein, attaquant. hein. Il était Mais pas non. attaquant, Vesbeck, ouais. On a un Putain. problème de densité dans la surface de réparation. Et je pense que c'est un des points qu'on doit vraiment aborder. C'est C'est qu'il faut ça, c'est ça. minimum que tu aies les deux attaquants, plus Ben oui. ton gars qui est en dessous, qui soit là, plus l'offensif opposé du côté où est l'action. C'est-à-dire qu'il te faut au moins quatre offensifs en permanence. Je crois que le maximum contre Rodez, c'était trois. D'autant plus C'était qu'au trois et c'est milieu, pas possible, quoi. au C'est milieu, pas t'arrives possible. pas à t'en sortir parce que t'as Je des sais mecs pas pourquoi qui. ils font ça. Bon, dans le talk, ça a été beaucoup abordé. Ouais, parce que sur le surtout que maintenant, je pense que c'est Riera de toute manière qui dit à Nsimba de plus monter sur ce match contre Odessa, ça je l'ai vu. Et donc du coup, en fait, ça nous bloque un côté de l'autre, quoi. Puisqu'avant, on passait soit à gauche, soit à droite.
Et sur le match de Rodez, où j'espère que Diaz est fini pour sa position parce que ce n'est pas son poste du tout, ouais. Je vois bien, moi, par exemple, un De Lima qui soit plus offensif et un Simba qui reste avec la charnière Simba, Barbé et Gregersen quand sa blessure sera opérationnelle. Enfin, quand sera opérationnelle, mais on attendait Bokele, Michelin de l'autre côté. Et ça nous, met des perspectives parce que le problème, ouais. C'est que sur le match, à droite, ah ben Michelin, il connaît son poste, il sait comment il faut avancer, mais de l'autre côté, Diaz, il était perdu, quoi. Complètement perdu en première mi-temps. Ouais, puis Nsimba avait pour consigne de rester en bas avec leur défense à trois en possession. Et Diaz, c'est pas son poste de centrer. Enfin, il sait pas faire, c'est pas son taf. Donc ça marche pas. Mais c'est une question de consigne aussi de la part de Riera. C'est-à-dire que quand tu joues avec une défense à quatre, que tu as un latéral qui monte systématiquement en attaque, ce qu'on disait en début d'émission, et que tu as Nsimba qui est là que pour la relance au milieu de terrain et constituer ta ligne de 3 en cas de contre, bah tu te prives complètement de ce qui peut se passer à gauche. Alors après, est-ce que ce n'était pas une consigne aussi qui était liée à Boadès? Je commence à me poser la question, parce que quand je vois à quel point il a fait l'amour à Barbé et Nsimba, mais bon, putain, c'est pas Messi, quoi. Faut arrêter. Il est ridicule, Boadès, quoi. Si tu fais une tactique spéciale c'est contre Boadès, putain, le chemin, il est long, les gars. On va souffrir terriblement encore, quoi. Mais ouais. Et essayer d'associer Westbeck. Et... Non, c'est pareil. Si tu nous entends en double, en triple? Ouais, en double, ouais. En double? T'as de la chance que Johan n'ait pas la pendule qui sonne. Hein, parce que... Ouais, c'est ça. Non, c'est dommage que tu nous entends. Ah, j'en ai fait des meilleures blagues. Je voulais juste te poser une question. Comme tu étais au stade, est-ce que tu as trouvé l'ambiance extraordinaire? Vu que moi, de la télé, j'entendais plus. J'ai pas entendu une ambiance extraordinaire par rapport à. J'entendais plus les supporters huer constamment que applaudir. Bon, bien sûr, quand Rodez avec le ballon, mais même avoir plus une surmotivation pour ce match, j'ai pas l'impression. Mais bon. Carole. En fait, tout le public, à chaque fois que Boadès avait la balle, c'était un enfer. Voilà. Donc, je pense que ça a harangué aussi les joueurs. Ils ont été conspués, même quand ce n'était pas Boadès, de toute façon. C'était très particulier. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que, vous ne l'avez peut-être pas vu, à la fin, même les staffs, on aurait dit... deux équipes de rugby qui se rencontraient, en fait, ils se sont bagarrés, mais vous ne l'avez pas vu, ça. Non, on n'a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce qu'en fait, il y avait l'image sur hélice. Il y avait l'image sur hélice, le centre du terrain, mais en fait, en fond, les deux staffs se sont foutus sur la tronche, en fait. Ah, il devait y avoir Montero là-dedans. Ouais. Montero, il devait être devant. mais c'était très bizarre. Tu avais deux parts, tu vois, boum, mêlée. Moi, je ne vais pas, vous mentir. J'ai regardé le match en replay. Je n'ai pas pu le voir en live. Donc, je l'ai vu sur Bein Sport le lendemain matin. Et malheureusement, Bein Sport a coupé même une minute avant la fin du match. Parce qu'il y a des prolongations. Et je pense qu'après, ils donnent la. Il met du live d'un autre sport. Et donc, j'ai même pas vu Élise. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai cherché des images, j'ai pas trouvé. Il discute avec le gardien, enfin celui qui faisait gardien. Là. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Parce que pour qu'il lui mette un coup de boule, à mon avis, il a dû l'insulter. Il a rien mis. Il a attrapé. En fait, si vous voulez, il voulait serrer la main au joueur, à Élise. Élise. Et donc, du coup, il n'a pas voulu. Après, le gardien, bien sûr, il savait que... Et après, il y a Riera qui parle au joueur pendant 10 bonnes minutes. Il a tiré sur son maillot. Et en tirant sur le maillot, et bien, Elis, il a pété un plomb. Il a mis un coup de tête, mais il n'a même pas touché au joueur. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris que deux matchs. Hein. Il n'a pas pris énormément. Il a pris que deux matchs parce qu'il n'a quasiment même pas touché. Et après, voilà. Et puis après, c'est parti en vrille. Mais bon, il y avait ce qui est bien, c'est qu'il y avait l'arbitre à côté... qui a été très très pédagogue, très très calme et qui a mis le rouge à la fin. De toute manière, c'est ce qui était obligé, quoi. Il y avait pas tout le monde l'a vu, donc voilà. Après, encore une fois, enfin, Elissi pour le match jeu, et le gardien de Rodez qui fait sa sortie un peu. Bon, c'est un fait de jeu, c'est normal.
Ouais, il prend qu'un match, pas un match avec Chelsea. Bah, c'était normal, un joueur à garder leur sang-froid, quoi. Il est pas dans le jeu, c'est le gardien. Ce que fait le gardien, c'est sur un fait de jeu. Enfin, je veux dire, c'est sur, c'est ouais, dans le jeu, c'est pas de l'anti-jeu, c'est pas du comportemental. C'est les derniers défenseurs, ils ramassent, c'est tout. C'est exactement ça. Il prend un rouge parce que c'est la règle. Ça s'arrête là. Bah, oui, c'est ça, tout à fait. D'ailleurs, on le voit dans son attitude. Hein. Il dit rien. Il galère pas. Ouais, il fait rien. Non, il le sait. Il joue son bateau, c'est logique. Les amis, il est 22h45. Il est donc l'heure de plier bagages. Mais avant ça, bien évidemment, vous allez me donner. Je viens d'y réfléchir à l'instant. Mais vous m'avez donné déjà, en tout cas, toi, Charles, le pronostic de la semaine dernière. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Je pense que j'ai noté sur un cahier quelque part. Et comme j'étais au taf, je ne l'ai pas pris. Mais je vais les noter ce soir. Je vous promets de façon électronique. Donc, ça sera mieux. Quel est votre pronostic pour le prochain match, Johan, s'il te plaît? Contre Bastia, je rappelle, samedi soir. Un point. Tac, tac. Ah, j'ai demandé à Johan, mais Caro a répondu. Pardon, oui, mais avec les échos. ouais, non, mais t'inquiète. Un partout. Alors, donc, Johan et Caro, un partout. Ça joue. Ok. Charles Merle. C'est compliqué. Oh la vache, qu'est-ce que c'est chiant, ça, cette réponse. Joris, du coup. Allez, non, 2-0, 2-0. Non, mais 2-0 pour qui? Pour Bordeaux. Ah, 2-0. Ben non, mais 2-0, ça se joue à domicile. Tu peux dire 2-0, c'est Bastia. Mais on n'est pas sur Web Bastia. Eh ben justement, on devrait y réfléchir. Peut-être qu'on devrait créer Web. Bref. Un partout aussi, et le match se termine à 10 contre 10. Oui. Ouais, ça voilà. Moi, je vois des cartons rouges aussi. Allez, wow. J'apporte la petite nuance. Moi aussi, je vois des cartons rouges. La cote est mieux. Ouais, c'est parce que la cote est plus intéressante. Ouais. Steph, toi qui es habillé en rouge, justement. Allez, 0-2 et but de VP. 0-2. VP, combien il en met? 2 1, c'est bien. 1 Qui met le deuxième? Zurico. Zurico sur une passe D de VP. Non, c'est ouais. Badji qui va jouer. Et le premier passe décisive de Delima aussi, ce soir. À l'extérieur, il met Badji. Ok. Moi, je pense qu'on va perdre 1-0. Pardon, excusez-moi. Vous me demandez mon avis sincère, pas oui, voilà. De supporter. Non, personne. Supporter, je préférerais qu'on gagne 3-0. Mais je pense qu'on n'a toujours pas le mental. Et donc, Bastia, on va faire comme à la maison, c'est-à-dire qu'on va faire pipi culotte, et donc il ne va rien se passer. Enfin, Bastia non plus, non plus. Et par contre, ils n'ont pas le mental, mais. La pire attaque. Oui. Bastia, s'ils n'ont pas marqué un but, ils en marqueront un. Si Valenciennes, c'est la deuxième pire attaque. Alors. Restez avec, humble. Avec nous, il faut absolument rester humble, les gars, parce que Bastia, ils sont devant nous. D'accord? Donc, s'ils sont devant nous, ça ne peut pas être la pire attaque. Ou alors, c'est la meilleure défense. Non, c'est pas la pire attaque. Ils ont un point de plus, d'accord? Alors, on avait peut-être un point de moins, mais on se calme quand même. Ce que je veux te dire, c'est que si on arrive... Déjà, on ne va pas finir toutes les émissions comme ça, quand même. Mais tu comprends pas. Oui, mais tu comprends pas. Mais Rodez, c'était une des meilleures attaques. Bon, on a pris deux. Sachant qu'ils n'ont pas eu un ballon, ils sont montés deux fois, ils ont tiré deux fois, ils ont mis deux buts. Bastia, l'équipe est catastrophique. Ils savent pas attaquer, c'est vraiment famélique ce qu'ils proposent. S'ils n'arrivent pas à marquer, si on défend correctement, ils marqueront jamais. Ah. Donc je pense qu'il n'y a pas, plus simple que ce match-là pour réussir à Riera de faire sa première victoire. Ça va permettre déjà de remonter comptablement au classement et en plus de mettre la tronche des gonzes probablement à l'endroit parce que aller taper Bastia avec le contexte, va falloir montrer autre chose qu'un tempérament de jeune guerrier. Il va falloir poser des choses sur la table et ça va leur faire beaucoup de bien. Donc, il va falloir qu'ils le fassent. Et je pense que c'est la meilleure des situations, le meilleur des challenges pour qu'on réussisse à remonter et que Riera reprenne vraiment cette équipe en main. Voilà. Je vois sur le chat, Bastia, c'est hyper mauvais. Ouais, c'est vraiment hyper mauvais, mais c'est quand même moins mauvais que nous. C'est ça qui est mal. Il risque d'avoir des surprises dans la composition d'équipe de samedi. Je pense qu'il va y avoir des surprises. Genre
Genre que, à mon avis, il y aura de Lima titulaire, vu qu'il rentre petit à petit crescendo, puisqu'il est rentré quasiment dès le début titulaire. De la semaine. Moi, je mettrais Komi à la place de Nsimba, surtout. Moi, je vois surtout Doha Morin aussi qui risque de jouer, parce que apparemment, Badji titulaire. On verra, mais apparemment, aujourd'hui, sud-ouest. On l'a dit dans l'entraînement. Non, mais les gars, si dans un entraînement, un mec, il met un but et du coup, il est titulaire, excusez-moi, hein. Moi, je trouve que ça fait peur. Mais bon, pourquoi pas. Non, mais Doha Morin, il n'a pas marqué, Doha Morin. Si, c'est le seul qui a marqué. Ah, entraînement. C'est le seul qui a marqué entraînement. C'est pour ça que c'est. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, bon, bref. Bon, les amis, merci. Ah, pardon. Quoi? Livoland. Livoland, on fait Livoland. Livoland, alors qu'est-ce qui. En plus, il n'a pas gagné le ballon de plomb, il a fait 3e. Hein? Ah, Livoland. Livoland. Il sera dans le groupe. Le Livoland et Aland. Il est pas sélectionné avec les Pays-Bas, non? Et Pitou, peut-être qu'il sera sur la feuille aussi. Oui. Pitou, c'est une énigme de Pierre. C'est une grosse énigme. Elle est dure cette fin d'émission. Elle est dure cette fin d'émission. On raconte n'importe quoi. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé. Je remercie bien évidemment Steph, Joris et Charles qui étaient, étaient là depuis le début. Et Johan et Carole qui nous ont rejoints. Je vous rappelle, les gens qui sont dans le chat, que vous pouvez participer à la libre antenne. Il suffit de contacter Web Girondin. Voilà, si vous êtes sociaux, c'est simple. Sinon, d'envoyer un email à Nico, vous allez sur le site, vous allez les contacts. Vous demandez à participer avec la libre antenne, à la libre antenne, et c'est avec plaisir. Est-ce que je dois vraiment vous laisser un mot de la fin? Non? Si, l'avantage d'être sociaux, c'est que, mettons, pendant le match, j'ai envoyé des vidéos sur le Discord qui est, voilà, c'est privé entre sociaux. On peut s'envoyer des photos, des vidéos. Ça s'appelle Twitter, ça, normalement. Oui, mais moi, c'est pas Twitter, c'est Discord. Ah, je blague. Bien sûr. Devenez sociaux, pourquoi? Parce qu'on a un espace de discussion. Privé, on oui. On s'échange plein de choses. Privé, ouais. Voilà. Et notamment beaucoup de conneries. Et en ce moment, l'abonnement offre une promotion terrible grâce au code SOCIOWG2. Mais je pense que Nico va me détester. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois… C'est non, mais 1 € par mois. Je vais vérifier, pardon. C'est 1 € pardon, pour le premier mois. C'est non, c'est pendant les 2 mois. C'est 1 € par mois les non, deux un... premiers mois. Mais non, si, ça... c'est 1 € pour le premier le mois. Le bazar. Et bien, je m'engage que ce soit 1 € pour le premier mois. Avec le code bref, Charles, Isaac, Livoland, Livoland, avec le code Livoland, vous avez 100% pendant 6 mois. Voilà. Et Badji, c'est gratuit. Moi, je pense, Nico, si tu nous entends, je pense que tu devrais offrir l'abonnement jusqu'à que Badji marque. Ça, c'est une bonne façon de couler la boîte. Ça, c'est une bonne façon de couler la boîte. Les amis, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup aux gens qui étaient dans le chat. Tony, quand tu reviens dans l'émission, maintenant que tu as une télé toute neuve, Aruna, le spécialiste du rectangle, du carré rectangle vert. Ben oui, le carré rectangle. Merci d'avoir été là. Nicolas B, Michael Estra, qui c'est que je vois, Sémir, Farid, etc. Web Girondin, ouais, c'était moi. Il y en a un que j'ai pas vu dans le chat que j'aimerais bien voir en émission, c'est Benoît. Mais oui, j'ai Benoît, bien sûr, oui. Benoît Bobot. Ah, il est présent sur le Discord, au chat. Mais oui, bien c'est sûr. Pareil, les sociaux et puis même les gens qui l'ont regardé, mais vraiment, venez participer à la libre antenne, c'est de la bienveillance, de l'humour et du vin blanc, et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est bien. Je vous salue, je vous remercie. On se quitte bien évidemment avec le générique des sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine, 21h sur Web Girondin. Et allez Bordeaux quand même si j'ai dit qu'on allait perdre. Merci. Oui, allez Bordeaux. Allez Bordeaux. Et bien, merci gars, à vous. Bordeaux. Ciao. Salut les garçons. I used to stick around, definitely not for too long. But boy, you got me hooked and made me wanna write this song. Got all guys already scared, but I'm aware that you
you're special. So let me take us somewhere where we could be alone. When I look at you, I see a pretty picture. You are the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach ya how to open up real nice, baby. Why don't we give it a go? Parmi toutes les personnes au club, mais absolument toutes, là je rajoute tout le monde, hein, ça va d'un intendant jusqu'au jardinier, jusqu'au joueur, à l'entraîneur, etc. Le seul qui fait ça vraiment par patience, c'est moi.